Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct ce soir sur eh bien, ma chaîne YouTube pour une petite soirée Fordzilla. Comme vous le voyez, je ne suis pas seul, je suis avec Donald. Comment ça va? Ah bah, je suis très content d'être sur ta chaîne et d'être là pour Fordzilla, ça fait bien plaisir. Alors je ne suis pas Fabien Inquet, il arrive après, je suis juste là pour vous dire bonjour. Je sais qu'on se ressemble, mais bon. Alors ce soir, on va évidemment vivre la compétition qui est l'aboutissement de ce qui s'est passé à la Paris Games Week cette année, en tout cas l'année dernière, la dernière édition. Et eh bien, on va vivre quelques courses sur Forza 7 ensemble. Mais tu vas laisser un peu la place à Fabien pour le commentaire. Avant, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la finalité de cette compétition, de cette sélection, dans le but, on peut le dire, de rejoindre la team Fordzilla? Mais exactement, comme tu l'as bien dit, ils ont fait les sélections à la Paris Games Week pendant toute la durée du salon. Les meilleurs ont gagné tous les jours un cadeau, mais on a gardé leur chrono et voilà, ils ont été patients. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on va pouvoir savoir qui sera le pilote, qui va rejoindre Anto. D'ailleurs, il est là, c'est la surprise de ce soir, c'est qui pourra battre Anto. Évidemment, il est là hors classement, mais on va voir qui sont les perles. Tous les pilotes qui sont là ce soir sont venus sur le stand, ont réussi à se qualifier. Et voilà, il pourra prendre place sur le roster Fordzilla aux côtés d'Anto. Et franchement, ça va être une bonne soirée. Je pense qu'il y a de quoi faire. Ouais, je pense qu'on va bien s'amuser. Surtout que voilà, on est sur trois courses sprint. On y reviendra évidemment dans quelques instants, le temps que Fabien nous rejoigne. En tout cas, voilà, il y a quand même à la clé un petit contrat de pilote amateur pour Fordzilla. Exactement. C'est quand même un beau cadeau, mine de rien. Et c'est un aboutissement aussi. C'est pas simplement un concours, une sélection pour gagner des cadeaux lors d'un événement comme la PGW, c'est vraiment s'inscrire dans une première véritablement structure e-sport pour ces joueurs qui sont pour la plupart très jeunes en plus. Exactement, c'est vrai qu'on a des joueurs très 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 jeunes, mais Fordzilla et Ford en général a une approche vraiment différente des autres teams e-sport pour recruter les pilotes. C'est ouvert à tous, on le voit encore aujourd'hui, hein. Donc chacun a sa chance. Il y aura sûrement d'autres événements comme ça, mais en tout cas là, ça va être bien. C'est sur Forza, quand même un jeu qui est comme représentatif d'une bonne partie de la communauté. On va se faire plaisir. Ford fait beaucoup de projets, on le voit notamment en ce moment sur les réseaux sociaux avec le projet P1 qui permet de vous, la communauté, de pouvoir avoir la voiture ultime, la voiture de vos rêves. Et bien, c'est vous qui votez. Tous les jours, on a un vote qui nous permet de savoir quel élément vous choisissez. Alors aujourd'hui, c'était les pneus, les roues. Est-ce que vous les voulez dans les carénages, dans les passages de roues, ou alors à l'extérieur? Chacun décide de ce qu'on peut avoir, et c'est véritablement une approche innovante, et c'est du jamais vu dans le jeu vidéo, et en tout cas avec un constructeur. Et je suis très content d'être là aujourd'hui pour en parler. C'est vrai que c'est un concept assez unique. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur le Twitch en direct, et surtout sur le Twitter qui est dans la description. Exactement. Il y a le Twitter officiel où vous pouvez aller voter pour les différents éléments de cette voiture. Voilà, et bien maintenant la question, c'est qui va battre Anto. Et pour ça, je propose de passer à la première course. Mais tout d'abord, on va laisser Fabien s'installer. Il va nous rejoindre. Merci Donald d'être passé nous dire quelques mots quand même dans le début de ce live. C'est moi qui te remercie, Maxou, pour être là ce soir et ton expertise. Je suis sûr que ça va être une très belle soirée, et je laisse la place à l'ami, à mon expert, à mon teammate Fabien Inquet. Allez, vas-y, fais péter la course. À bientôt les gars, et passez une belle soirée. Ouais, alors pendant que Fabien s'installe, on va vous montrer un petit peu ce qui se passe pour l'instant en game, c'est-à-dire que les pilotes s'entraînent. Alors vous avez évidemment le chat qui est à votre disposition, vous pouvez réagir et nous donner votre avis sur ce que vous voyez. On est là pour répondre à toutes vos questions. Si je me tourne à ma gauche, je retrouve un visage que vous connaissez bien dans le sim racing. Bonsoir mon cher Fabien, comment vas-tu? Bonsoir Maxou, je vais super bien, on est là, on va parler d'aux qualifications sur Forza pour la Fordzilla, pour savoir qui rejoindra l'équipe Forza de la team Fordzilla justement. Et là pour l'instant, les pilotes sont en qualification actuellement. Alors on est déjà passé sur la partie qualification, hein. On a eu les pilotes qui se sont entraînés évidemment en amont. On a créé donc la game. Le principe est simple, trois courses, trois classements, un mini championnat. Et le plus rapide, en tout cas celui qui aura le plus de points à l'issue des trois courses, il y a le contrat qui sera à la clé. Exactement. Le principe est donc de battre Anto, qui est en piste, qui est donc pilote Fordzilla, mais qui lui ne sera pas compté évidemment dans les différentes hiérarchies. Vous avez les images évidemment qui vous sont proposées. Tous les pilotes ont, on peut le dire en début de cette soirée, le même matériel, même voiture, même réglage, tout le monde est à la même enseigne, c'est le talent qui fera la différence. Exactement, ils sont généralement à la manette là aujourd'hui, parce que c'est quand même une compétition qui se joue à la manette, puisque Forza, on est quand même plus rapide à la manette qu'au volant, même sur certaines compétitions, elles obligent à être au volant pour les versions offline. Et donc là, à mon avis, ils sont tous à la manette. Et là, on est avec Anto, qui est pour l'instant 7ème au niveau des chronos. Je pense que ça va se lancer. Il va rentrer dans son dernier tour de qualification. Trois tours. Hein.
trois tours pour définir cette grille de départ de cette première course. Alors on va justement voir les premiers chronos qui vont s'entamer, ne pas encore tomber, puisqu'il y a généralement un tour de lancement où on prend ses repères. Le deuxième, on fait un tour de sécurité véritablement pour être sûr d'avoir un temps validé. Et ensuite, pour le dernier tour, on met les gaz, comme on dit. Effectivement, donc tout le monde est logé à la même enseigne. On va avoir trois courses. Tout d'abord, le quota, circuit américain bien connu. Qu'est-ce qu'on peut dire de technique sur cette piste? C'est un billard, clairement. C'est une piste qui a une longue ligne droite aussi. Donc l'aspiration va avoir son importance. Exactement. Dans le deuxième secteur. C'est l'un des circuits avec la plus grande ligne droite qu'on peut voir en Formule 1 actuellement. On a aussi un très beau dénivelé, c'est pour ça qu'on a des belles courbes là, comme vous pouvez le constater. Ouais. Là, en bas, on voit les autres pilotes qui sont tout au fond. On a vraiment un gros dénivelé de 40 mètres entre le point le plus haut et le point le plus bas sur ce circuit. Donc vraiment, ça nous permet d'avoir vraiment des passages vraiment compliqués avec des bankings, avec des moments où on va être un peu éjecté sur l'extérieur de la trajectoire. Et il est vraiment agréable hein, parce qu'il a repris tout ce qui marche sur certains circuits. Il a une partie très technique qui est le premier secteur avec tous ces enchaînements Petit peu à la Silverstone comme Magots, Beckett, on connaît bien ces ou à styles Suzuka, on est sur ce type de trajectoire avec des enchaînements. Et puis on a une partie un peu plus moderne avec un freinage comme ici très appuyé qui va permettre de faire des dépassements. Et là on a un enchaînement de virages plus classique, plus moderne. Oui, pour les circuits qui ont été sélectionnés ce soir, donc les trois pistes, on a voulu aussi choisir des pistes spectacles avec pas mal de dépassements, pas mal d'opportunités également pour les pilotes de se rapprocher, de s'aspirer pour éventuellement garder un contenu très, très compact des courses sprint puisqu'elles dureront 25 minutes chacune, donc pas droit à l'erreur si jamais ça se passe mal, mais la possibilité d'avoir trois courses, si jamais on se loupe, bon voilà, on a quand même deux courses où on peut rattraper un petit peu son résultat. Sur la piste actuellement, les pilotes sont donc dans leur dernier tour. D'ici quelques secondes, on va découvrir ensemble les résultats de cette première qualif de la soirée. Alors les pilotes, on va vous les présenter au fur et à mesure de leurs exploits un à un en piste. Ils sont au nombre total de 8 sur cette piste du quota. Et donc Anto qui est hors classement. Pour le classement des points, on va l'évoquer rapidement aussi avant la fin de la qualification peut-être. On est sur quelque chose de très classique. C'est ce qui se faisait à l'époque au championnat du monde de Formule 1. Donc 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comme ça, tout le monde revient au moins avec quelque chose à l'issue d'une course comme une grosse faute de Cartman là, qui est parti à la faute dans le dernier gauche. Petite erreur pour lui, malheureusement il n'améliorera pas son temps. Alors justement, tout le monde passe la ligne, on a donc Neox qui est pour l'instant visiblement le plus rapide, qui est pour l'instant plus rapide qu'Anto. Oui, alors ça va être un peu l'exploit, qui va réussir à être devant, mettre le nez de sa voiture devant celle d'Anto, ça risque d'être délicat. On salue également au niveau du live sur Twitch la modération qui est présente pour vous assurer un live de qualité et on espère que tout se passera bien. C'est parti donc avec ce dernier tour, la séance est terminée je pense. Non, il reste encore un tour. Ils sont dans leur troisième tour, donc ouais. On avait un overlay qui était un petit peu en avance effectivement. Alors au niveau des secteurs, vous avez un bel espace, ils sont quand même pas mal regroupés. Je pense que certains voudraient essayer peut-être d'utiliser l'aspiration pour tirer ouais, un peu plus. Ça peut marcher justement grâce à cette grande ligne droite qu'on voit en bas en bas à gauche de la carte, là où justement est Anto actuellement, cette longue ligne droite qui peut aider justement au dépassement. Et alors ça... on voit Cartman notamment qui est Mikaz, qui sont aussi Mikmaz bien placés. Ouais, ça peut faire quelque chose. On va voir si d'ailleurs même dans un tour de qualification on va essayer de se dépasser. C'est pas impossible que ça passe justement à l'issue de cette ligne droite pour regarder ça zigzag. On essaie de casser cet effet justement d'aspiration pour les pilotes. C'est un peu le dernier en lice sera le mieux placé. Le dernier qui franchira la ligne aura le plus de chances d'avoir eu un maximum d'aspiration. En tout cas, Anto ne s'est pas posé la question. Il est vite parti pour s'extraire des autres voitures. Alors les voitures évidemment des Ford GT qui sont deux stocks, on le rappelle si vous venez de nous rejoindre, tout le monde est logé à la même enseigne, on l'a déjà dit, mais c'est important, tout le monde a ses chances en piste ce soir, attention parce que voilà justement Mikmaz qui va aller attaquer Erwan et c'est peut-être pas la bonne solution pour faire un bon chrono du côté de Mikmaz parce que du coup eh bien, il va falloir aller hors trajectoire, il va quand même dépasser, on a des dépassements en qualif, ça promet du très très lourd pour la suite de cette course, en tout cas ici au quota on voit que même dans les secteurs les plus sinueux ça passe. Et, ouais justement c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les pilotes ont à peu près un niveau équivalent, là on a des pelotons là pour l'instant, ce qui va donner une course comme tu l'as dit très mouvementée, là on voit Cartman hein, qui essaie de passer ici Erwan. Erwan qui a soulagé visiblement, on dirait qu'il a avorté le troisième secteur de son tour. Ah oui, effectivement, il est bien arrêté sur ce coup-là. Est-ce qu'il se laisse de l'espace? Je pense que le timing des tours n'est pas tout à fait à jour parce que là, on n'a pas encore d'écart de chrono. Visiblement. Et donc là, pour l'instant, ça Erwan bouge un petit peu. Mikmaz qui prend la deuxième place. Oui, effectivement, Anto qui se retrouve largué un petit peu.
C'est un petit peu la surprise, hein. On pensait qu'il allait être la référence, mais c'est bien au moins s'il se met à se battre dans le classement, ça va donner un peu plus de piment et c'est tant mieux. Alors. Et donc normalement c'est le dernier tour ou... Ah oui, semble-t-il. Alors je t'avoue que depuis tout à l'heure on a 3 tours sur 3, donc on est un petit peu dans l'expectative de voir quand ça va se conclure, mais normalement on est effectivement dans ce dernier tour, ce qui explique peut-être pourquoi on a vu Mikmaz et Cartman soulager un petit peu, histoire de se laisser un petit peu d'espace finalement. Même si Battle Polo là va peut-être offrir un peu d'aspiration à Mikmaz. En tout cas une grille qui promet déjà d'être surprenante avec un Anto qui n'est pas forcément garanti d'être en pole position. Ah ouais, c'est bien ça va remonter, ça va lui mettre un peu le couteau à travers la gorge et il faut voir remonter ce classement. Et justement, on en termine avec justement les qualifs. Alors, les résultats vont s'afficher dans quelques instants et je crois que l'on avait une voiture qui avait été un peu plus en retard, qui avait fait beaucoup de fautes. C'est Cartman qui était un petit peu reculé aussi. Donc, à voir ce que va donner la hiérarchie. Ok, donc on va pouvoir partir bientôt pour la course. Ouais, on va lancer hein, immédiatement les hostilités, en tout cas dans quelques instants, le temps que tout le monde se synchronise et enfile les gants. Quoiqu'à la manette, les gants, c'est peut-être pas forcément l'idéal. On va mettre les paramètres nécessaires. Donc première course au quota, ensuite on peut le dire, on ira du côté de Silverstone en Angleterre, hein, puisque Ford en Angleterre était aussi très présent dans le pays. Donc c'était normal d'aller sur une piste comme la mythique section de Silverstone. Et ensuite, eh bien, on terminera sous les étoiles à Abu Dhabi pour conclure. Donc trois pistes qui offrent des dépassements, offrent beaucoup de spectacles. Donc on va voir un petit peu ce que va nous donner la suite. En tout cas, on a la première qualification qui est terminée. Anto n'est visiblement pas en pôle. On va avoir la confirmation dans quelques instants de tout ce qui va se passer. En tout cas, le lancement de la course est imminent. Je rappelle donc 25 minutes pour départager les pilotes. Alors, question sur le chat évidemment que l'on a sous les yeux. En quoi consiste l'événement? Eh bien, c'est l'aboutissement de ce qui s'est passé pendant la semaine de la Paris Games Week où chaque jour, le pilote qui avait réalisé le meilleur chrono sur le stand Fordzilla, eh bien, s'était vu récompensé de quelques jolis goodies, mais surtout eh bien, avait la chance de participer ce soir à l'ultime sélection, on peut dire, de cette compétition qui verra eh bien, le pilote avec le plus de points à l'issue des trois courses de ce soir s'imposer comme nouveau pilote sous contrat, on va dire amateur en tout cas, du team Fordzilla. Et qui de mieux que Anto comme pilote Fordzilla pour venir jauger un petit peu le niveau de nos chers pilotes. Alors évidemment, tous les pilotes qui ont été sélectionnés à la Paris Games Week ont été contactés. Certains n'ont pas jugé utile d'accepter l'invitation. Pour les autres, eh bien, ils sont avec nous. Fabien, qu'en est-il au niveau de la course? C'est bon, on est prêt à lancer la course. On attend que les pilotes soient prêts. Qu'ils se mettent bien tous prêts et que ça part juste après pour 25 minutes et savoir qui va gagner cette première course. Est-ce que tu as un petit pronostic pour cette première manche? Ah, je pense qu'Anto en a laissé un petit peu sous la pédale. Je le verrais bien filer au bout des 20 minutes de course, ce serait pas mal. Mais après, voilà, pourquoi pas une surprise. On va découvrir un petit peu le niveau, la hiérarchie. Je parlais un peu en début de diffusion de ce qu'était le niveau des pilotes, mais surtout au niveau de l'âge. On a des pilotes qui ont plus de 30 ans et on a les deux Benjamins de la compétition qui ont tous les deux un peu plus de 13 ans. Donc ça va être pas mal. On va vous les présenter évidemment tout au long de cette soirée. La course va pouvoir débuter. On attend un joueur qui n'est pas prêt visiblement. On attend le coupable? Monkey et Mikmaz qui eh bien, ils seront punis en conséquence avec l'annulation de tous leurs points. Évidemment, c'est faux, mais on attend qu'ils reviennent vers nous avec donc cette piste du quota qui nous accueillera. Alors, tout le monde a l'air d'être quasiment prêt. C'est voilà. Bon. Eh ben, on est parti. Le compte est bon et direction le quota pour cette première course. Donc départ arrêté pour ces pilotes, donc il va falloir bien s'élancer avec une Ford GT qui n'est pas forcément très simple à conduire, même si dans les paramètres de session, tout le monde a accès évidemment aux aides qui sont les siennes. Vous entendez les moteurs vrombir, vous allez les voir dans quelques instants. On va arriver normalement sur la grille de départ. C'est là qu'on regrette la fibre pour la synchronisation de l'image. Voilà, c'est bon. C'est parti, on roule au quota avec Anto qui s'est très bien élancé. Finalement, il était parti depuis la pole. Ils vont se jeter dans cette montée infernale et cet épin qui se resserre, qui va pouvoir passer. Attention à Cartman qui va être à l'intérieur. Il y a beaucoup de trajectoires. C'est très compliqué de se faire une place. Bah évidemment, ce premier virage, on l'a vu hein, dans plusieurs courses, soit en GT, en monoplace. Il est très large, cette première épingle. Donc, il y a beaucoup de trajectoires et surtout au départ, ça arrive à 4 de front et il faut trouver sa place à cet endroit-là.
Et tout le monde a réussi à s'en sortir. On a deux voitures qui sont un peu plus loin. Il y a l'air d'avoir eu malgré tout du contact dans cette première épingle. En tout cas, Anto ne s'est pas posé de questions. Il est parti en tête. Cartman est deuxième. Monkey troisième. Avec un petit écart. Et ensuite, trois autres pilotes très serrés. Avec notamment Mick Mads. Et à contact, semble-t-il, derrière. À la cinquième place, une voiture qui a été touchée dans la sortie des S. Et déjà ouais. Un petit écart. Un bel écart, même pris par Anto. Entre Bad Polo et Driver Geek qui se sont un peu touchés, j'ai l'impression, et donc ils sont tous les deux 7e et 8e. Ah, ils sont un peu loin, malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ils le souhaitaient. Et justement, c'est Neox qui est allé au contact dans la section sinueuse. Ils attaquent pour la première fois la grande ligne droite du deuxième partiel, toujours sous le commandement d'Anto. Voici le peloton. Vous avez à l'image Cartman, deuxième, déjà un retard de 2 secondes 5. Ça fait déjà pas mal. Et là, il tente un Monkey qui va tenter ici à l'épingle, voir est-ce qu'il peut tenter quelque chose. Il relance mal. Ah, et oh, ça le se touche contact. Et la sortie de piste, la première de la soirée, oh là, malheureusement. Aïe, 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 ça, c'est dommage. On a eu un gros contact qui voit l'élimination de Cartman qui chute au sixième rang. C'est un petit peu dommage parce qu'il était plutôt bien parti. Alors, le contact est assez délicat. On a vu une attaque à l'intérieur de la part de Monkey. C'était assez indélicat. Alors on voit surtout que Monkey aussi est tombé, hein. Oui, il a relâché, il a essayé d'attendre, hein. Je pense Cartman, on le voit là, hein. Il rentre dans le double droite, ouais, il attend un peu, il l'a vu, hein, qu'il a touché le pilote sans le faire exprès, mais voilà, il y a un peu de fair play quand même parce qu'il aurait pu continuer et continuer sa course, tant pis, perdu pour être perdu. Il y a peut-être une peur aussi de voir, comme on dit, le karma frapper lors des prochaines courses, donc voilà, on a été quand même plutôt fair play en relâchant un petit peu, premier tour couvert de cette course, alors qu'on... termine toujours sous le commandement d'Anto cette première boucle. Ça passe devant nous avec toujours Neox qui est en quatrième position. Ah non, il est passé devant Erwan, semble-t-il. En tout cas, grosse bagarre pour la troisième place. Vous le voyez dans le fond de l'image. Allez, il faut qu'il remonte là aussi, Monkey. Ça revient vite, hein, parce qu'il roulait vite, hein, Monkey, pendant les qualifications. Donc il allait vraiment plus vite que le reste du peloton. Et là, on le voit tout de suite, hein, il est déjà revenu sur Neox et Erwan. Neox qui a l'air d'être un peu plus en difficulté avec sa voiture dans les relances. Ça glisse pas mal du côté du pilote actuellement en troisième position. Et ça va passer déjà pour le gain de la quatrième position. Attention, le mur de pneus n'est pas loin. Ils arrivent à tous les deux s'en sortir. Mais Erwan, à mon avis, a dû voir son rétroviseur de gauche très près des pneus. La descente vers le... deuxième secteur, Monkey donc qui est bien passé devant Erwan. Est-ce que l'aspiration pourrait aider Erwan à son tour revenir sur Neox? Ça pourrait être pas mal. Il a un bon lièvre en tout cas parce que effectivement Monkey s'avère être pour l'instant l'un des plus rapides en piste. Allez, on revient un peu sur Mick Maz, hein, voir ce qui s'est passé devant. Pour l'instant, il est premier au classement puisque Anto ne fait pas partie de ce classement puisqu'il est déjà très loin. Et quasiment sur 9 secondes, ça commence à faire très très mal. Ça va très très vite en deux tours. Et derrière ça roule bien. Et Mick Mads qui semble-t-il est donc une bonne poignée de secondes devant ses poursuivants. Et Monkey qui va bientôt reprendre la deuxième place virtuelle donc à Neox qui résiste tant qu'il peut. Mais c'est une question de secondes avant de voir, je pense, Monkey dans le top 3 de la course. On va quasiment cumuler 10 secondes en deux tours sur le coup. C'est vrai qu'il y avait peu d'écart pendant la Paris Games Week entre les chronos d'Anto et des qualifiés. Mais là, c'est vrai que sur la longueur d'une course, c'est un petit peu plus significatif. Hein. Et les pilotes qui rentrent dans le dernier tour de cette course de sprint. Hein. On commence par une course de sprint pour les mettre en jambes. Après, il va falloir jouer un peu plus sur la longueur, sur les courses suivantes. Sur l'endurance qui arrivera juste après. Alors, semble-t-il pour l'instant Mick Mads est bien parti, il n'y a pas grand monde qui peut pour l'instant revenir sur lui avec cette mise en jambe hein, donc de 2-3 tours qui remet les pilotes dans le bain, voir un petit peu aussi qui sont les adversaires à surveiller, voir qui sort déjà du lot. Et c'est le cas pour Mick Mads qui a une avance de 3 secondes 5 sur Aneox qui résiste hein, toujours face à Monkey, mais je pense que la ligne droite pourrait être salutaire, voire fatale, ça dépend dans quel camp on se place évidemment. Et Mick Mads, il a réussi à bien faire le trou là sur Neox. Et Neox qui défend bien sur Monkey. Je pensais que Monkey serait passé beaucoup plus vite sur Neox.
Ouais, il résiste bien, une belle défense. C'est aussi un atout de savoir défendre sa position. Et sur une piste comme celle-ci, c'est pas forcément évident. On va aller voir ce qui se passe justement dans cette lutte pour la, théoriquement, la deuxième marche du podium. Eh, Monkey qui est pas loin. Est-ce que l'aspiration pourra l'aider? Ouais, il est très très bien. On rappelle que tous les pilotes ayant la même voiture, les réglages ne peuvent pas faire grande différence. Il se porte à la hauteur malgré tout de Neox. À l'intérieur dans le gauche, blocage de roue pour Monkey. Et ça va passer sans trop de résistance de Neox. Ouais, sur l'extérieur, difficile de passer la puissance. Et donc changement en deuxième position désormais. On retrouve Monkey et Neox troisième. Ah, c'était sûr, hein. Monkey qui avait montré pendant les qualifications que, qu'il avait le rythme par rapport au, au reste du peloton, et Mick Maz aussi, mais c'est vrai que là Monkey il remonte fort, même après avoir tamponné Cartman, après l'avoir attendu un peu, il remonte très fort et il va pouvoir sauver un peu les meubles. C'est vrai que sans ce contact, il aurait peut-être été le vainqueur de cette première course, qui va malgré tout être Anto, qui va donc s'imposer, mais sans marquer de points, on le rappelle. Il est notre lièvre ce soir que vont tenter de chasser les autres joueurs. Et on arrive dans le dernier gauche avec donc Mick Maz qui va s'imposer devant Monkey, et finalement Neox qui va sauver la troisième marche du podium. Voilà, le drapeau à damier logiquement est présenté maintenant à tous les pilotes. Cartman terminera juste derrière. Et bien voilà pour cette première manche sprint de la soirée. Et les deux derniers pilotes qui arrivent dans le dernier virage, et c'est bon, c'est fini pour tout le monde. Alors du côté du chat, on demande de monter légèrement le niveau du son. On va s'en occuper évidemment avec la régie qui veille au grain pour que vous passiez une bonne soirée. Merci pour vos retours. Erwan donc bien terminera 6ème, petite déception peut-être pour lui. En tout cas, il y a eu déjà des contacts dès le départ et ça a lancé la soirée pour certains du mauvais pied. Il faut savoir évidemment se remettre dans le droit chemin d'ici la fin des trois courses que l'on va vivre maintenant. Donc cette première manche sprint était un avant-goût, un petit apéritif, hein, on va oui. dire, de ce qu'on va vivre ce soir. Maintenant, place aux choses sérieuses avec les courses qui vont durer sans doute 25 minutes. Et bah, ce sera une autre paire de manches pour gérer les voitures. On revient un peu sur Anto qui a justement fini sa course. Je trouve qu'il glisse beaucoup pour une IA. Hein. Non, excuse-moi, le doute me... Ah oui, petit coup de frein à main oui, ici. Oui, le coup de frein à main, c'est pas l'IA qui donne le coup de frein là. Il sera encore en course. C'est assez, assez intriguant là avec l'overlay qui nous oui. donne de mauvaises informations. Est-ce que la course serait bien de 25 minutes? Est-ce que... Peut-être. Peut-être justement de 25 minutes cette course. Ça c'est vraiment une question qui est... Enfin c'est dommage, hein. Alors on ne sait pas, on avait une course de 3 tours, mais je pense que l'overlay de 3 tours est pas juste, on est bien sur 25 minutes de course. Hein. Ça me paraît un peu bizarre ce souci d'overlay. Bon, on va essayer de ne pas trop s'en inquiéter, l'important c'est ce qui se passe en piste. Donc on pensait qu'il était déjà course gagnée du côté d'Anto, mais non, visiblement la course continue. Bah voilà. Voilà. On rappelle, quelle année sortie de Forza Motorsport 7 au niveau des overlays? Deux ans. Voilà. Petite erreur de peut-être de paramètres, mais bon, c'est pas très grave. On est bien sur une course de 25 minutes. Anto qui est large devant là. Ça nous permet aussi de voir aussi la différence entre les gens qui roulent fort déjà sur Forza ou tout autre type de jeu vidéo, qui roulent fort, qui ont un niveau très bon, et puis ceux qui sont en compétition actuellement. Et on voit vraiment l'écart qui est juste impressionnant. Non mais le rythme qui est amené par Anto depuis le début, il est impressionnant. Moi je me dis, bon, sur 3 tours c'est normal, il bombarde, en 3 tours c'est réglé, il rentre chez lui. Non, en fait, même sur une course plus longue, il a le rythme effectivement extrêmement soutenu par rapport aux autres. Si certains pensaient pouvoir aller le chercher, les espoirs reposent désormais sur Monkey, qui semble sans doute le plus véloce dans ce modeste peloton, avec des écarts qui commencent, eh bien voilà, après quelques tours, à se faire de plus en plus conséquents. Et là on voit qu'il est parti à la chasse de Mick Maz. Qu'il n'a toujours pas réussi à sauter, à l'extérieur peut-être, pourquoi pas. Ou s'il le tente à l'extérieur ici, ça serait formidable, ça il va repiquer, on décroise. Difficile de croiser ici, hein. Le virage n'est pas très serré, et pourtant ça a l'air de fonctionner. Ouais, il est bien reparti et pour l'instant ils sont côte à côte. Il aurait peut-être pu rester un tout petit peu derrière dans son aspiration pour s'élancer légèrement. Pour l'instant ils sont côte à côte, il va falloir freiner un peu plus fort. Oh, ça va être chaud. Oui. Ça passe pour Monkey pour l'instant. Est-ce qu'il a bien freiné? Il accélère fort, c'est passé pour Monkey devant Mick Maz. La petite formalité là pour le changement de position, alors que derrière c'est aussi chaud, hein, entre Erwan et Cartman, je pense, qui se battent. En tout cas,
Non, ce n'est pas Cardman, c'est pour la quatrième position. On va essayer de se remettre entre la... en comptant ou non en taux, toujours se mettre sur la même longueur d'onde bien sûr. Voilà, la lutte ici, juste derrière avec Neox, qui a, semble-t-il, perdu son adversaire. Il y a quelques secondes, ils étaient à deux là, et c'est Cartman effectivement. Ils se battaient à l'issue de la grande ligne droite, et finalement, de grands écarts maintenant qu'on a le point de vue sur Neox. En tout cas, il y a un freinage qui a dû être assez délicat hein, derrière pour Cartman. En tout cas, dans cette course qui continue toujours, on rappelle donc 25 minutes visiblement de compétition dans cette première épreuve. Anto déroule, il n'y a pas d'autre mot par contre derrière. Il y a quand même quelques petites luttes qui s'instaurent. Les niveaux sont assez similaires derrière Monkey. Je ne m'étonnerai pas de voir revenir d'ailleurs peut-être Neox sur Mikmaz. C'est pas impossible. Et ce passage dans l'épingle, toujours aussi technique. L'ensemble des pilotes, on le rappelle, qui sont eh bien, à la manette pour cette soirée. Et on voit à quel point même à la manette ça peut être impressionnant, parce que souvent on a cette envie de dire oui ils sont volants donc forcément c'est mieux, c'est plus fluide, c'est plus agréable et c'est des vrais pilotes, des vrais joueurs. Voilà, attention Erwan, là les track limits c'est pas gratuit pendant toute la soirée, il faudra faire attention à pas en abuser. Mais oui, pour de la manette c'est toujours aussi impressionnant sur ce Forza. Bah ouais, non mais de toute façon je le dis souvent, régulièrement, la manette, le volant, ce n'est qu'un support. Le plus important c'est d'avoir les trajectoires, d'avoir la maîtrise de son véhicule et ce qui permet d'avoir du rythme. Au fil du temps, on le voit régulièrement, hein, le champion du monde, oula, ça se bat bien, le champion du monde le rythme, Forza. Le rythme il a plus tellement l'air, One sur le coup, c'est, voilà. C'est Bad Polo qui revient dessus. Il le prend à l'intérieur, là, c'est bien fait, c'est propre, hein, c'est cas d'école. Et il est bien relancé aussi, il va pouvoir se mettre dans la spi. Non, il ne reste pas dans la spi, ce qui va. Ouf, le gros changement de trajectoire là. Allez, il défend l'intérieur, il essaie de se déplacer pour défendre l'intérieur. Alors on rappelle, ils ont des radars aussi, hein, ce qui leur permet de faire ce genre de déplacement. En vrai, on l'attend pas. Non. Au prix de la voiture, moi, j'y vais pas en tout cas. Oh, gros freinage encore une fois. Ouais, et Battle Polo qui se loupe un peu. Non, c'est bon, c'est passé. Mais voilà, nouveau changement de position dans cette bagarre avec donc Battle Polo qui prend l'avantage sur Erwan qui chute au 7ème rang. C'est le pilote qui a perdu, je pense, le plus de place depuis le début de la course. Et The Driver Geek qui est loin derrière. Ouais, visiblement, il y a des soucis aussi pour The Driver Geek. Brandy qui a 21 ans. Pilote du 77 qui, pour l'instant, eh bien, quasiment ferme la marche. Mais oui, l'écart est assez conséquent pour lui. Ça commence à devenir difficile. Et Neox là qui est tout seul, puisque devant ça se bagarre et derrière ça se bagarre aussi. Donc lui, il va faire sa course tout seul pour un petit moment. Ouais, il est dans un petit no man's land, mais le temps qu'il arrive à revenir, si il y parvient sur Monkey, il va se passer sur Mikmaz, pardon, il va se passer un petit peu de temps. En attendant, eh bien Mikmaz va s'attaquer à Monkey parce que certes il a été dépassé, mais il reste dans le rythme malgré ouais, tout. Ouais, il est dedans. Hein. J'aurais pensé que Monkey serait plus loin que ça après un tour. Oui, il se loupe. Partie large là ici. C'est très délicat cette section parce que dans un sens il faut prendre les vibreurs pour passer rapidement, mais si on en prend trop, l'arrière n'aime pas et risque de décrocher. Pour l'instant, Monkey maîtrise sa voiture, mais à la limite. Bah en fait, c'est vraiment un enchaînement de virages particulier parce qu'il y a enchaînement plus enchaînement aussi de rapidité. C'est-à-dire qu'on va devoir mettre des freins de temps en temps, ne pas l'en mettre au virage juste après. Alors que généralement, par exemple à Suzuka, on est plutôt sur le même type d'enchaînement avec un enchaînement coulé. Là, vraiment, il y a un moment où on fait deux virages rapides, on met un coup de frein pour le troisième, on enroule, on remet deux virages rapides, un virage plus lent. Et voilà, c'est assez particulier. Et ces Ford GT n'ont pas non plus un passage en courbe exceptionnel au niveau de la limite aéro. Donc, va falloir parfois lift un petit peu pour garder la voiture bien sûr, la partie noire, hein, comme on dit souvent, de la piste. Alors, pour le reste... Ça ne fait pas semblant du côté de Monkey, il continue de bombarder en pas mal de croisements de main. À mon avis, il est en travers dans pas mal de virages. Parce qu'il sent la pression peut-être de Mikmaz grandir au fur et à mesure. L'écart qui se resserre malgré tout. Monkey qui ne s'échappe plus. Ah ouais, il avait le couteau. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile de suivre un pilote, hein, de pouvoir voir ses trajectoires et justement de lui grappiller un peu de dixième au fil du temps. Là, une fois qu'il a plus de lièvre, on voit que son rythme il est peut-être un peu tombé. Et il va falloir qu'il maîtrise le pilote qui est derrière lui. Ouais, c'est souvent ce qu'on dit, hein, lorsqu'il y a un lièvre, c'est-à-dire un pilote devant vous, on copie la trajectoire, on se calque sur ses mouvements pour essayer d'aller un petit peu plus à l'intérieur, aller un peu plus à l'attaque, ressortir plus fort, plus large et faire la différence. C'est souvent bien, mais quand le pilote devant part à la faute, généralement, eh bien, vous suivez derrière. Bon,
En tout cas, on est à peu près à 10 minutes de l'abaissement du drapeau à Damier. Toujours une domination d'Anto qui, heureusement, j'ai envie de dire, reste là la référence, mais de manière assez autoritaire sur Monkey qui tient en respect pour l'instant. Ouais. Mikmaz a une bonne distance. Derrière, les écarts sont aussi un peu plus importants au fur et à mesure des tours. Mais voilà, la grosse question, c'est qui va finalement remporter. Est-ce que Monkey va continuer? Voilà, ouh, à aller il se dans loupe les encore. Et un peu plus que tout à l'heure. Donc ça, s'il commence à la faire à chaque tour, ça va devenir difficile pour lui de résister à Mikmaz qui lui ne commet jusque-là aucune faute. Eh oui. Et on le dit, je le dis aussi régulièrement, vaut mieux rouler un peu moins vite que tout le temps à cette vitesse. C'est vrai que là, il prend beaucoup de risques que Monkey. Alors, on a bougé l'antenne, voilà, ça va en récupérer le signal. Alors, donc Anto toujours en tête, ça ne bouge pas, bien sûr. Derrière, au niveau des écarts, eh bien, il y a quand même pas mal de distance avec Bad Polo et Erwan qui sont légèrement plus loin, alors que du côté de Driver Geek, oh, on est drift. En train de nous faire un festival de drift avec des couleurs qui rappellent un petit peu les voitures de drift, pour ne pas citer de marque. Mais... de toute façon, c'est marqué dessus. Donc ouais, de toute façon, c'est marqué finalement, dessus. Voilà, bonsoir au CSA. C'est vrai que le drift et Falcon, c'est une belle histoire, mais là, c'est pas le but de la soirée, visiblement. En tout cas, pour le peu de temps d'antenne qu'on lui accorde dans cette première course, il en voit. Il en voit, c'est peu pas drift. Ce qu'il faut. Voilà, c'est pas ce qu'il faut faire, c'est clairement, mais au moins, ça fait le spectacle de passer ici en drift. Ça doit être sympa, justement. Je pense que les pilotes de drift s'éclatent sur ce circuit pour faire ce genre de choses. Ah, la première section doit être assez démentielle, je pense, à vivre. En tout cas. Bon, Driver Geek, lorsque Forzilla recherchera un pilote drift sur Forza, on ne manquera pas de lui passer un petit coup de fil pour l'instant. Je pense que sachant que sa course est un petit peu détruite, il va, je pense, s'amuser plus qu'autre chose. Alors, on va revoir un petit peu ce qui se passe de manière un peu plus sérieuse sur la tête de course avec Mikmaz qui est deuxième. Bah oui, Monkey a été déconnecté, j'ai l'impression. Aïe, 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 ça c'est ce qu'on n'aime pas voir malheureusement, c'est un petit peu les soucis mécaniques mais en virtuel. Ah non, Monkey qui est 8ème, DNF effectivement. Aïe, 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 des illusions je pense pour le favori de cette course derrière Anto qui a dû mettre pied à terre. Et Monkey donc DNF, première peut-être grosse surprise de la soirée. Mauvaise surprise en tout mauvaise cas. Mauvaise surprise, bon, il va pouvoir peut-être revenir sur les prochaines et puis essayer de se refaire. Parce que vraiment il a le rythme, hein. Il avait le rythme, il l'a montré, c'est dommage. Et, et Monkey qui vous rejoint d'ailleurs sur le chat en disant que son jeu a tout simplement crashé. Eh bien désolé mon cher Monkey, mais il va falloir revenir en deuxième semaine comme on dit. Donc il viendra tout à l'heure je l'espère pour la suite. Mais bon, grosse désillusion parce qu'il avait la course bien en main. Il tenait, comme on disait, voilà, Mikmaz à bonne distance. Et bien voilà, c'est un peu la victoire qui tombe entre les mains de Mikmaz qui se met lui aussi d'ailleurs au drift, pourquoi pas, ça a l'air d'être la mode en ce moment du côté du quota. Du quota, c'est pas mal ça. Du côté du quota, et je pense aussi les pneus commencent un peu à fatiguer légèrement. Et c'est vrai qu'on est sur une voiture à propulsion avec beaucoup de puissance, donc il faut savoir la maîtriser. Et surtout qu'on roule sans aide pour avoir du rythme sur Forza, il faut éviter de mettre tout ce qui est anti-patinage. Sinon, on perd beaucoup de rythme, on perd beaucoup de vitesse. Et avec ce genre de voiture, il faut être un peu plus délicat avec les gâchettes. Mais à ce moment-là, est-ce que du côté de The Driver Geek, on lui a dit pour les pneus? Parce que là, si ça continue dans deux tours, c'est fini. il a plus de gomme, hein, c'est terminé pour lui. Donc il y aura peut-être un passage au stand. Oui, donc effectivement, ça commence à glisser. C'est pas par plaisir que les pilotes ont ça. C'est juste parce qu'effectivement, voilà, faut réussir à passer la puissance au sol. Et au fur et à mesure des boucles, ça a l'air compliqué. On rappelle les pilotes qui ont bien sûr usure des pneus, consommation de carburant, etc. Donc il faut gérer aussi ces paramètres sur la longueur d'une épreuve. Alors, donc toujours Anto qui déroule. Hein, on va le dire, je pense, pour écocher le nombre de fois, on va le dire ce soir. Mais je pense que ça va être assez commun dans tout ce qui va se passer ce soir. On est sur la vue, on va faire un tour hein, peut-être. On va faire un petit tour avec Anto justement pour voir les bonnes trajectoires, comment passer ici justement dans ces premiers S où vraiment faut envoyer. On voit il freine hein, ici, comme je disais, hein, c'est vraiment un circuit où il y a différents rythmes dans ces enchaînements. Ah, il mord bien ici, on vient chercher la corde, on met les deux roues, faut pas en mettre plus. Ici il faut faire attention parce qu'il y a quand même un petit gendarme couché sur la piste. Ah, toi aussi tu entames gendarme couché, j'aime beaucoup cette expression. Ouais, comment aussi. Il passe très près des pneus. C'est impressionnant, c'est une maîtrise fondamentale, phénoménale plutôt. Oui, c'est phénoménal. Voilà, parce que là, fondamental, faut j'ai envie de te dire. Je pense que moi je passe là, le rétroviseur, au revoir, hein, c'est terminé. Je pense qu'on touche tous le pneu. Là c'est une maîtrise parfaite, c'est ce qu'il faut faire, c'est ça le niveau e-sport sur Forza. On rappelle Anto hein, son palmarès, ça fait partie des 3-4 meilleurs
pilote français sur Forza pendant quelques années. Il avait un peu décroché, mais là il s'y remet là, pour le LMS. Il a remontré à la dernière course qu'il était encore là, qu'il arrive encore à suivre le rythme. Hein. Il a réussi à suivre Ledge, et c'est pas personne Ledge, puisque c'est quand même le champion du monde en titre. Il arrive encore à suivre le pilote, et on sait très bien que Anto fait partie des pilotes les plus rapides au volant sur Forza, vraiment. Hein. Il est impressionnant, et l'année dernière il a gagné le Porsche GTRS. Effectivement, c'était beau à voir aussi comme démonstration de skill. C'est vrai que voilà, sur un tour, rien qu'en vue poursuite, on se rend compte quand même de la précision qu'il faut. Même sur une piste qui fait peut-être pas forcément peur de prime abord, quand on voit le quota, on se dit bon, c'est large, il y a de l'asphalte, du tarmac, en veux-tu, en voilà. Donc si on se rate, finalement aussi, il y a quand même une limite à ne pas dépasser, et le mur de pneus n'est pas très loin. On en a eu la preuve en début de tour. Et il va conclure justement ce tour du quota, encore un en tant que leader, avec une avance qui ne cesse d'augmenter sur ses poursuivants. Et t'as vu que sa voiture, elle ne glisse pas d'un cheveu. Hein. Ah non, il la conduit parfaitement. Voilà, c'est la voiture, elle ne bouge surtout pas, il ne faut pas faire glisser. Là, peut-être juste ici, on a vu les traces de pneus qu'il a laissées, mais vraiment très peu. C'est une très grande maîtrise. Comparé à ce qu'on a pu voir depuis tout à l'heure sur certains autres joueurs, il a l'air d'être vraiment sur la bonne mesure de ses pneus et de les gérer comme il faut, même voilà, dans les trajectoires serrées, il n'y a pas d'écart. Des écarts, il y en a eu quelques-uns malgré tout pour les autres. C'est le cas notamment de Mick Maz, même s'il a hérité de la deuxième place. On rappelle qu'il est donc leader, puisqu'Anto ne comptera pas au niveau du classement. Il fait rôle de référence ce soir. C'est ce que je voulais tenter de vous dire dans un français plus ou moins correct. Avec derrière Mick Maz, Cartman qui est remonté devant Neox. Ça, c'est aussi petite surprise. Alors, Bad Polo 5e, Erwan 6e. Ils ne sont plus que 6. On rappelle donc la déconnexion de Monkey qui d'ailleurs. Sur le chat, et bon, petite consolation quand même pour lui, un petit point, point de la 8ème place qu'il va peut-être lui sauver le titre de cette soirée, pourquoi pas. En tout cas, les deux courses qui vont suivre vont être très importantes, et Neox qui à son tour commence à nous faire une monkey, on va l'appeler comme ça maintenant, ouais, hein, sortir large dans cette section. Ouais, parce qu'il est vraiment pas très simple cette section, elle est vraiment pas simple. On a pu le voir justement encore avec Anto où t'avais l'impression que c'était simple quand lui conduisait, que c'était d'une simplicité hors norme. Non, c'est vraiment très dur de passer justement ce passage, surtout là, avec ce genre de voiture qui ont quand même de l'appui aérodynamique. Mais voilà, justement, y a un moment où la voiture elle a envie de décrocher, elle a pas envie d'aller où on veut parce que ça enchaîne fort. Et y a un moment où il y a deux virages qui passent l'un après l'autre très rapidement, et il faut que la voiture tienne sur le macadam. Alors, petite question sur le chat, il n'y a pas de fast slap? Non, on n'a pas attribué de points au meilleur tour. C'est vrai que ça, bon, y a pas assez de manches pour que ça ait vraiment une influence. Donc voilà, on est resté sur du classique, parce que qui dit classique dit efficace. Et c'est ce que l'on veut ce soir, de l'efficacité. En tout cas, il n'en manque pas chez les pilotes qui sont pour l'instant très peu à faire des fautes. Hein, quelques erreurs évidemment, mais jusque-là, c'est plutôt propre. Et hormis la déconnexion de Monkey et le festival de drift de notre ami driver, il n'y a pas de. Pas de gros problèmes pour l'instant, la course se déroule plutôt bien. Et on va aller voir peut-être ce qui se passe du côté de Cartman, virtuellement donc deuxième de cette première course, toujours en train de lui aussi maîtriser sa voiture avec des couleurs un peu différentes, hein, puisque lui est pilote TX3, on le rappelle, et c'est le doyen de la soirée, notre ami Cartman, 32 ans, il nous vient de Cabane, qui n'est pas au fond du jardin, près de Saint-Etienne. Il a fait quand même 6 ans de karting. Et tu es en train de détruire mon câble. C'est toi là, mais non, mais écoute, un peu d'organisation, que diable. Mince. C'est terrible ici. Dis donc. Oh. Non, mais surtout, moi je vois que Cartman a réussi à mettre 5 secondes la Nox en 2 tours. Donc il a eu du mal à se mettre dans le rythme. Et une fois qu'il a trouvé son rythme, hein, il se battait au début avec Monkey. Puis une fois qu'il a trouvé son rythme, on voit qu'il va essayer peut-être aller chercher Mick Maz en fin de course. Et en voyant tous les problèmes de pneumatique qu'ont certains pilotes, peut-être qu'il s'est dit je vais y aller tranquillement dans la première moitié, et à la fin je vais y aller sincèrement comme il faut. Et pour l'instant il fait pas semblant, et la preuve, il commence à être revenir un petit peu en travers. Mais la voiture a l'air de bien se tenir, hein. Pour l'instant c'est parfaitement, parfaitement dans les trajectoires. Et même ici où certains sont un peu à la dérive, ça ne bouge pas d'un pouce. Bon, il arrive à tenir les 6 secondes hein, sur Mick Maz. Maintenant, il faut réussir à revenir. Est-ce qu'il aura le temps, surtout, avec le temps restant dans la course, de revenir sur son adversaire? Ah Ah Ah
That is a great overlay, hein, comme dirait l'autre. Bon, bah voilà, c'est terminé du coup. C'est assez bizarre. Je pense qu'en fait, après 25 minutes, ça coupe. C'est assez oui, bizarre. C'est un peu chelou. Donc, les pilotes n'auront pas à aller jusqu'au drapeau à damier. Et nous non plus, finalement. Bon, bah pourquoi pas, après tout. C'est assez atypique, mais ça fera l'affaire. Et bah, du coup, on a la hiérarchie qui va être établie avec donc. Anto qui n'est pas parmi les pilotes. On est en train de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des tours. Donc je pense qu'on va placer des tours plutôt que du temps ici. Hein. Ce sera peut-être un peu plus simple. Parce que effectivement, quand on met du temps, je pense que c'est pas tout à fait bien géré. Le jeu qui a eu pas mal de mises à jour aussi ces derniers temps. Oui. Donc effectivement, il faut être au fait de tout et c'est pas tout à fait simple. Bref. Ces considérations étant faites sur le côté technique de ce live, que vous êtes d'ailleurs plusieurs à suivre sur le chat notamment. On a quelques retours tout de même. Alors Monkey qui va pouvoir être réinvité pour la prochaine course, bien évidemment, puisqu'il est toujours dans la course. Ça c'est bien dit. Avec, on espère, une connexion qui eh bien, n'ira pas faire un tour du côté de l'autre bout du monde pour l'abandonner. En tout cas, tout a l'air de se faire dans les bonnes formes. Alors que j'ai... Merci Maryse. J'ai notre cher collègue qui nous donne donc le classement pour l'instant. Avec donc voilà Mikmas qui s'est imposé dans cette première course. Il prend donc les 10 points. Monkey, malgré sa déconnexion, reçoit le point de la 10e place. Hein. C'est tout de même alloué. Le point de la position qui sera la sienne, la 7e place, pardon. Donc tout est encore possible pour lui. Alors que Monkey nous dit, c'est en veuillez patienter. Merci beaucoup pour ces informations, je pense, primordiales pour la suite de ce direct. En tout cas, voilà, les choses s'installent. Alors le problème, c'est qu'effectivement, notre situation est très claire. Dans Forza, il faut paramétrer chaque chose oui. à chaque course. Ça, c'est un petit peu la contrainte technique. On va le faire évidemment sans difficulté, mais il faut être vraiment précis. Je pense qu'on va partir sur une course non plus en temps, mais en tour, que ce soit beaucoup plus lisible et pour les spectateurs et pour nous. Comme ça, eh bien, écoutez, on apprend. Hein, c'est notre oui. premier jour. Hein. Moi, je suis arrivé ce matin. Donc voilà, on apprend avec Fabien. Mais voilà, donc on va partir sur cette option de 10 tours sur le circuit de Silverstone, circuit Grand Prix évidemment, qui a été mis à jour lui aussi. Hein, donc ce n'est pas l'ancienne version. On n'aura plus le secteur de Bridge qui était absolument exceptionnel. Ça rappelle de bons souvenirs cette section du circuit. Mais voilà, le circuit en configuration Grand Prix, 5 km 130 pour cette piste de Silverstone, la plus ancienne de l'histoire du championnat du monde de Formule 1. D'ailleurs, un ancien aérodrome de la Royal Air Force. Voilà pour Wikipédia. Bref. Merci. C'est un circuit qui a quand même beaucoup évolué hein, au fil des... Énormément, oui. C'est un des circuits qui a le plus évolué. Et c'est encore notre ami, j'ai envie de dire, Herman Tilke qui a dessiné Herman Tilke qui a dessiné ce circuit. J'ai envie de dire c'est un peu la base de cette soirée hein, puisque ça va être les trois circuits qu'on va avoir ce soir. Championnat Tilke ce c'est soir. C'est un championnat Tilke puisque les trois circuits sont dessinés par lui. En même temps, j'ai envie de te dire, il a dessiné pratiquement tous les circuits modernes actuels. Donc on est pratiquement à 90% sûr de faire un championnat Tilke. Bon bah c'est vrai que sur 20 ans en tout cas on lui en doit beaucoup des réussis, certains plus que d'autres. Alors les pilotes, évidemment on va vous parler donc de Mikmaz qui est celui qui a réalisé le premier véritable exploit de la soirée en s'imposant. Mikmaz, donc Michael Mazur de son vrai nom, il nous vient du Nord, il vient de Lévis, c'est près de chez moi. Voilà, il fallait bien faire l'accent. 28 ans pour lui, donc l'un des plus âgés sur la grille. Il a fait parler cette expérience en tout cas pour réussir à s'imposer. Deuxième, on retrouve Cartman qui a été partout dans le classement. Il est monté, il est descendu, bref, ça a été les montagnes russes un peu au quota pour lui. Très à l'américaine avec Cartman, donc le doyen, je le disais, 32 ans. Le Tilkodrome, on nous dit sur le chat, c'est un peu l'idée. Il y en a pas mal des Tilkodromes sur le calendrier de F1, quoique il n'y a même plus de circuit en ce moment sur le calendrier de F1, donc on va passer là-dessus. Mais voilà, le circuit de Silverstone reste une référence et on va voir si peut-être Cartman, après avoir fait deuxième dans cette première course, va pouvoir s'imposer. Bah oui, surtout que là, Monkey qui va rejoindre la compétition, revenir dans cette compétition, oui. Va pouvoir remettre un peu les compteurs à zéro. On espère pour lui de ne pas réavoir une déconnexion. De toute façon, s'il n'est pas là dans 5 minutes, on lui donne numéro de téléphone et adresse publiquement. Comme ça, vous pourrez aller évidemment lui rendre les comptes qu'il doit. Il demande 5 minutes. Est-ce qu'on l'attend ou est-ce que. Les pilotes demandent un délai. Ce n'est pas possible. C'est pas normal. On en est. Non, mais attendez, on est où là?
Ah bah, j'ai envie de te dire, il est sur le chat, il demande 5 minutes. Comment font les pilotes généralement quand ils ont un besoin pressant? Ah, j'ai envie de te dire. D'expérience, on salue Michael. Il faut éviter d'acheter des combinaisons de pilotes hein, blanches. Déjà après une course, hein, il faut éviter d'avoir cette envie. J'ai un ami qui en a acheté une, et il faut éviter. Parce que généralement, ils se soulagent dans leur combinaison pendant la course. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Bon, après, ça part sur un reboot de box. Hein ? Ça part sur un reboot de box du côté du chat. Bon, bah écoutez, profitez-en pour prendre ce temps libre pour bien checker dans le dessous de ce flux Twitch absolument sensationnel ou dans cette VOD, puisque il y aura une VOD incroyable sur YouTube. Impressionnant. En 480p, bien sûr. vous aurez donc. J'espère mieux que ça, quand même. Oui, mais c'est toujours la qualité, évidemment. On aura donc la possibilité de vous donner pas mal de news sur la suite de ce projet P1 qui a été mis en place par Ford avec Fordzilla. Donc c'est vous qui dessinez la nouvelle voiture de course idéale. Qu'est-ce qui toi fait que tu voudrais une voiture de course idéale? Qu'est-ce qui est primordial pour toi? Oh, me demande pas. Moi j'avais déjà une idée. Je voulais que ça soit un roadster, le retour d'un petit roadster qu'on élargit pour une GT3, je sais pas. C'est pas possible. Vu les premiers résultats, ça va être très compliqué de faire ce genre de choses. Donc aujourd'hui, ça va être une voiture de course très très agressive qu'on pourra mettre sûrement sur plusieurs jeux. Je vous invite tous à aller justement sur Twitter de Fordzilla, de pouvoir mettre votre envie, de choisir justement ce que vous préfériez. C'est vrai que les premiers tweets ont défini par exemple si on voulait une place ou deux places, si on voulait un moteur central ou un moteur avant, ou si on voulait des roues apparentes ou des roues plutôt cachées par le carénage. Et donc c'est un peu Fordzilla qui choisit ce qu'ils nous proposent, et après on fait un choix, et ils sont en train de construire une voiture avec les designers de Ford, hein. c'est pas rien, et donc on va avoir vraiment un projet fou avant la fin d'année. Bon, en tout cas, on vous demande de faire le portrait robot de cette nouvelle voiture en espérant que ça donne quelque chose de pas mal. Moi, les croquis que j'ai vu passer sur Twitter m'ont donné plutôt envie. En plus, c'est des designers. Voilà. Généralement, c'est pas très bon hein, ce qu'ils font. Est-ce que c'est genre les designers qui te créent une supercar exceptionnelle et à la fin, quand tu dis qu'est-ce qui va être commercialisé, le rétroviseur, monsieur. c'est tout ce qu'on va garder de la voiture. Non, effectivement, c'est vraiment pour être. La finalité, c'est vraiment de créer la voiture. Donc, c'est vraiment de l'importer aussi dans Forza, je pense. Dans plusieurs jeux de vidéo, justement, c'est le but, c'est de l'importer, de pouvoir vous jouer avec. Donc c'est pas juste dire j'aimerais ça. À la fin, je pense que vous verrez plus que ça de voir ce que vous allez faire avec. Alors nous sommes sur un flash info du côté de Monkey, puisque les choses empirent bien sûr, puisque maintenant il est allé chez sa voisine demander l'électricité, non pas loin, mais on est quand même sur mon PC à crash. Ah, dis donc. Est-ce qu'on passerait pas aux choses sérieuses en lançant cette course? Bon, on va dire que pour lui, la messe est dite, comme on dit, de manière très convenue, mais là, on va pas vous faire attendre longtemps. On laisse un peu de temps, allez, encore un tout petit peu pour voir s'il est capable de remettre le moteur dans la machine. Hein, c'est comme pendant les 24 heures du Mans, généralement, ils sont capables de changer en 15 minutes une boîte de vitesse. Est-ce qu'il est capable de redémarrer en moins de 5 minutes son ordinateur? C'est ce qu'on va essayer de voir tout de suite. Je pense que vu le temps qu'il a mis à rentrer dans la session la première fois, la connexion est en train de l'abandonner. Et c'est à notre tour, je crois, de l'abandonner pour poursuivre cette soirée. On est désolé, Monkey, mais il va falloir quand même qu'on enchaîne parce que après 23h, on n'est plus payé. Donc il va falloir évidemment que l'on continue. Je plaisante bien sûr, mais les choses sérieuses doivent poursuivre. On a eu une première hiérarchie, donc Monkey, c'est dommage, qui s'est vu une première fois biaisé par son. C'est bon, il redémarre. Désolé, mais avec la latence, je pense que ça ne le fera pas. On lui laissera évidemment sa chance de nous rejoindre une dernière fois, peut-être pour prépare-toi, mon cher Monkey, pour nous rejoindre. Du côté de Yas Marina. Bref, tout a l'air d'être en ordre. On va pouvoir lancer la qualification tout d'abord ou la course directement? La course directement, on part directement sur de la course. Ok, donc 25 minutes. Voilà, et donc à peu près 10 tours. À peu près 10 tours. Enfin, c'est 10 tours et plutôt à peu près 25 minutes de course. Merci. Voilà, c'est l'inverse. On a inversé les choses. Pour que ce soit plus simple pour vous pour voir ce qui va se passer à l'écran. Donc là les pilotes choisissent leur voiture, hein, ça sera toujours la même, toujours la Ford GT qui sera la voiture de la prochaine manche du Le Mans eSport Series. Justement, fallait bien réhabituer un peu Antoine à sa voiture. Ça lui fait du practice un peu masqué, il est content. Il s'entraîne, c'est très bien pour lui. Ouais, même s'il a plus trop besoin maintenant. Il est plutôt à jour maintenant. Ouais, hein. Depuis qu'il s'y est remis, il est vraiment en train de redonner un petit peu son lustre d'antan à son palmarès quand même. Il a fait pas mal de choses aussi, c'est vrai. Voilà, j'ai envie de dire, il y a 2-3 mois, vous auriez pu aller le chercher. Là, il s'est un peu remis. sur un malentendu, ça pouvait passer. Ça pouvait c'est passer. Terminé. Là, il s'est un peu remis dans la compétition et il a retrouvé son niveau d'antan. Et vraiment, c'est impressionnant.
Et on l'a encore vu ce soir et je pense qu'on le verra dans le futur avec Fordila. La course va débuter. On est à un lancement qui est Bah, les lancé. pilotes choisissent leur voiture. Messieurs, c'est à vous. C'est pas comme s'ils avaient eu 10 minutes pendant qu'on attendait Monkey pour sélectionner la voiture. Oh là là, je suis Aïe. mauvaise langue, ça va me retomber sur le coin du casque un jour ou l'autre. Il y a un petit problème de sélection, j'ai Je l'impression. pense que ça a dû être relancé. Pourquoi les voitures ne sont-elles pas disponibles? Ça Et part en y a un choix de problème. voiture. Il y a un problème. Alors attendez, je regarde pourquoi on a un problème. On a un petit souci. Ça arrive, hein. Ça rappelle, c'est de la technique de toute façon, hein. On a expliqué ça tout à l'heure. Mais évidemment, quand on n'a pas une régie de 100 000 personnes, c'est évidemment à nous de faire le travail. Ouais. Ça rappelle des bons souvenirs. Je salue mon collègue, ce bon vieux Dopamine, avec qui je m'occupais à une époque d'un championnat de France, où Anto faisait déjà des merveilles à l'époque. Il conduit. Alors, petite anecdote sur Anto sur ce championnat. Je me rappelle qu'il a conduit avec les pieds, notamment Oui, sur la fin de compétition. voilà. Donc ça vous donne un peu un niveau du gars, quoi. Il est quand même le ça lui passe au-dessus quand même. Il était en pleine compétition finale, comme il voyait qu'il arrivait. Hein. Il avait un peu de mal. C'est vrai qu'il s'était un peu loupé. Et donc, au bout d'un moment, il a fait bon, bah, ça lui passait au-dessus, donc il a roulé avec les pieds. Bon, Est-ce c'est une qu'il a autre dit quand époque, il avait hein. terminé que c'était le pied? Ça, Non, c'est à toi de c'est le moi. dire parce que c'est toi qui l'as interviewé à la fin de la C'est course. vrai, c'est vrai. On avait fait ça à l'époque. C'était un grand moment. Bon. Chers amis, visiblement la sélection de la voiture a l'air d'avoir un souci pour l'instant dans la session. Est-ce qu'il va pas falloir rematch cette session, mon cher Fabien? Bah j'espère pas parce que depuis tout à l'heure je suis Est-ce que bien Monkey normalement. va rejoindre finalement cette Est-ce qu'il session? va avoir le droit de rejoindre cette session? C'est assez. Constructeur Ford, on est en 66 GT, c'est bon. Ma foi, tout a l'air d'être au beau fixe, sauf visiblement. En attendant du lancement par l'autre, est-ce que la validation est. Ben. Oh, écoutez, je pense qu'on va. C'est bien, on a fait un petit match de tennis au niveau des têtes. Là, c'était un petit peu Roland-Garros. Bah, écoutez, non, je pense qu'on va demander aux pilotes de sélectionner leur voiture, mais en laissant libre choix du modèle. Évidemment, prenez la bonne, mes amis. Ce sera mieux pour tout le monde. Est-ce que cette restriction. Alors, on est sur des Honda, magnifique. Il y a Ah ouais, plein de non. voitures qui ne sont absolument pas homologuées pour ce soir. Donc, dommage, messieurs. Mais non, non. Normalement, ça devrait le faire. Peut-être pour ça. Ah, est-ce que ça aiderait peut-être? Voilà. Ah bah voilà. Mais si tu fais pas ton boulot, on va jamais s'en sortir, hein, Fabien. Franchement, on peut compter sur personne ici. Hein. J'ai juste voulu faire une revérification de la course si on était bien dans les bons paramètres. Et quand j'ai fait ça, en fait, ça a relancé la sélection des voitures et ça a un Mais tu vois, peu. c'est ça le problème, c'est que comme on est trop pointilleux, Voilà, ça ça peut ne peut pas pas se aller. passer. Bon, Voilà, en tout donc cas, le tout le problème est monde. résolu, c'est le principal. Monkey qui n'est pas là. Malheureusement. Drame malheureusement pour Monkey Ils n'ont qui. pas réparé cette boîte de vitesse. Voilà, donc le niveau d'huile ne sera pas fait. Attends, désolé, on y croit. Vous n'êtes pas les seuls sur le chat en tout cas. Mais bon, chargement du online pour tout le monde. On va y aller. On attend Driver Geek qui doit encore choisir sa voiture et se mettre prêt. Erwan également. C'est toujours. Faudrait pouvoir passer au-dessus. C'est genre Ouais. en étant haute, avoir la La main. domination absolue, dire la main, maintenant on y va et puis Ça voilà quoi. s'appelle une dictature, je le Ce n'est pas rappelle. la solution, mais ça peut parfois servir d'être dictateur de certaines choses, dont un lobby, Forza Bah allez, Motorsport, ça ça pourrait peut ça peut servir. aider, ça peut aider et de pouvoir mettre certains pilotes en fantôme arbitrairement. Voilà, toi tu es en fantôme. Toi. Ça éviterait des problèmes en piste et du drame, hein. Ça on l'a vécu nombreuses fois. Vois pas du tout de quoi tu parles. Moi non plus, je sais pas pourquoi j'ai Je dit ça. des carambolages au premier virage, je vois pas du tout de quoi tu parles. Bon après ils sont 8 en piste, pour l'instant ça va, ils vont pouvoir je pense se gérer sur Silverstone. Quoique le premier droit, il y a un mur à l'intérieur qui peut envoyer les pilotes faire un tour, je pense, jusqu'à Oui. Buckingham Palace. Si avec un peu d'élan ils sont assez bien lancés, ça peut le faire. Messieurs, c'est à vous maintenant d'agir, en tout cas sur Driver Geek, où il est où il est plus là. Il est peut-être parti lui aussi changer sa boîte de A été vitesse. donné un coup de main à Monkey pour changer la boîte de vitesse. C'est pas impossible qu'on soit sur une assistance technique. Est-ce qu'on peut inviter Monkey? Bon, je pense qu'on peut essayer, non? Pour le coup, ou est-ce que Bah, je l'ai ça. réinvité, Il est réinvité, il est Fabien réinvité. a fait tout ce qu'il faut. C'est parfait, évidemment. Il est réinvité dans Monkey. Et Driver Geek qui doit encore choisir sa voiture. C'est vrai que c'est compliqué hein, entre une Ford GT ou une Ford GT. Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que préfères entre les deux? qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Si ça se trouve, il se dit, j'ai juste pas ma livrée, je veux juste récupérer ma livrée, je veux ma livrée en piste, absolument. Il est peut-être plus vite parti boire un verre, un grand verre, Bah dans ce mais cas-là, il pourrait nous inviter c'est pour aller avoir un verre. boire un verre. Ah là là. Allez.
Bah, au bout d'un moment, je vais la lancer la course. Hein. Tant pis pour Driver Geek aussi. Voilà, au bout d'un moment. Donné, la patience est une vertu dont je n'ai pas la fin de cette citation. Mais on va quand même y aller parce que c'est pas le Max tout. Max nous promet sur les citations le passe, sans la fin. Évidemment. Allez, go. On va y aller finalement. Ça s'appelle la sélection naturelle. Bien, la course va être lancée. Et après cette magnifique, ce magnifique accord de milieu direct, on va tout de suite lancer. Les joueurs ne sont pas prêts, mais le décompte va peut-être l'alerter. Il va traverser toute la pièce pour venir faire A, mais c'est trop tard. On va donc avoir eh bien, un candidat de moins. C'est dommage parce qu'après Monkey, eh bien, ça fait un deuxième pilote qui perd pas mal de chance. En tout cas, voilà, Driver Geek qui était de toute façon venu pour une soirée drift. Hein, donc il va pas, je pense, nous en vouloir de trop d'avoir lancé après 4 heures cette session. Allez, c'est parti, on roule à Silverstone avec eh bien, du coup 5 pilotes, donc 4 candidats au podium. Et c'est Anto qui va partir directement dans le premier droit en tant que leader avec eh bien, ses trousses, les autres pilotes. Tout le monde a l'air d'être passé, visiblement. Ça, c'est la bonne nouvelle avec eh bien, Mick Maz, deuxième devant Neox qui vient de passer Cartman. Je pense que c'est surtout ces deux-là qu'on va devoir surveiller. Voilà, Anto qui va faire le trou direct. Voilà, il va falloir qu'il s'évade vite. Ce qui ne devrait pas poser problème, je pense. Non. C'est plus serré derrière, en tout cas, avec Erwan et Cartman. Il va falloir établir la hiérarchie sur une piste qui est sensiblement similaire à ce qu'on avait au quota. Hein. Des grandes courbes, rapides, des enchaînements, des lignes droites. Bref, les pilotes ne vont pas être perdus entre les deux tracés. Et ça attaque l'épingle de Lefield pour les leaders. Et ça va... Et là, enchaîné dans l'ancienne ligne droite F1. Cartman hein, qui tente directement sur... Ah, il est dans le diffuseur de Neox. Il va peut-être le pousser un petit peu même. Ouais, on n'est pas loin d'une poussette. Oh, l'extérieur peut-être dans le droit de Cops. Ils sont côte à côte, c'est magnifique. On perd pas de temps du côté de Cartman, mais il y aurait eu très peu de chances que ça passe. En tout cas, c'était une belle tentative et bravo à lui de l'avoir... Ouais, ça reste à côte à côte. Hein. Justement, ils vont arriver dans Maggot. De front ici, c'est compliqué. Et ça passe pour Cartman. Neox qui, je pense, a freiné un petit peu tard et du coup a décalé sa trajectoire. De toute façon, dans cette session, il y a une trajectoire et pas d'autre. Donc, bah, si vous vous loupez, ça se paye cash. On va bientôt arriver à la fin de ce premier tour de course. On est dans la ligne droite des hangars avec toujours eh bien, Anto en tête. Ça va devenir une banalité, mais surtout derrière la lutte. Hein, pour cette virtuelle deuxième position, donc troisième sur votre écran, Cartman et quatrième, Neox. Demi seconde d'écart et Erwan n'est pas beaucoup plus loin derrière. Donc, attention, un petit peu de dérive. Les pneus sont peut-être pas forcément tout de suite en température et on descend vers la chicane de club et on va conclure le premier tour. Et donc Anto, Mick Maz, Cartman, Neox et Erwan, c'est le top 5 à l'issue de la première des 10 boucles de course. Et Cartman hein, qui s'envole un tout petit peu sur Neox, on a l'impression qu'il s'est un peu entraîné sur ce tracé. Et il va essayer de retrouver Mick Maz. Il est qu'à 3 secondes de retard sur le pilote. Des écarts quand même très conséquents. Hein. 3 secondes en un tour, c'est pas mal. Cartman qui est déjà un petit peu plus loin. Et c'est pour la 4ème place derrière que ça se joue entre Neox et Erwan. Je pense qu'Erwan est en train de revenir fortement. Ouais, ils sont même côte à côte là dans la ligne droite Wellington. C'est chaud. Et ça se passe les positions là. Neox ouais, qui est passé pour Erwan. Effectivement. Et là, il va falloir qu'il talonne un peu ici. Pour rester dans la spi. Même si sur Keops, c'est quand même compliqué de doubler. Il peut encore tenter quelque chose ici. On a vu que les pilotes aimaient bien attaquer effectivement à Keops. Pourquoi pas laisser sa chance à Neox. Après, s'il sort bien de ce virage, il peut aussi avoir sa chance dans la ligne droite suivante. Généralement, moi, ce que j'aime bien faire ici, c'est rester derrière le pilote qui est juste devant moi, le suivre justement sur Maggot, Beckett et Chapelle. Et préparer justement... l'attaque Asto ouais, voilà. À demi-tour plus loin. On est d'accord. Faut essayer de temporiser un petit peu, faut rester derrière parce que ici on peut perdre du temps. Et Erwan qui est plus généreux avec les vibreurs hein, que pour l'instant Neox, qui a l'air d'être un peu plus sage, quoique. Voilà, là il est pas sur la bonne trajectoire comme tu disais, donc c'est compliqué d'avoir une bonne relance. Exactement, il aurait patienté un tout petit peu derrière Erwan, il aurait pu accélérer un peu plus tôt et justement avoir l'aspiration et aller chercher ici Asto. Et finalement c'est un petit écart qui va être le résultat de cette erreur de trajectoire. Écart de quelques dixièmes entre les deux voitures maintenant, mais Neox va sans doute pouvoir revenir.
Ah, c'est la lutte, elle est là. Les écarts sont un peu plus larges. On voit les chronos en tout. Il est en 2-2 alors que les autres sont en 2-4 ou 2-10 pour Cartman. En 2-4 aussi pour Cartman. Et ça revient fort pour le pilote de la TX3. Neox qui n'a plus qu'à faire les appels de phare là pour venir mettre un maximum de pression. Ah, parce qu'après il va falloir chercher le groupe devant parce qu'il peut encore jouer quelque chose hein, pour le championnat. On est que dans le troisième tour et il peut encore effectivement facilement obtenir le podium. Ah, il talonne bien là, il est bien passé, il ressort peut-être un peu moins bien, mais c'est Erwan trop qui large se loupe. Même. Erwan se loupe. Alors est-ce que ça va profiter à Neox, la grande ligne droite Wellington qui va peut-être aider à ramener Neox dans le coup. Il a l'air d'être un petit peu plus à l'aise dans les enchaînements lents. On l'a vu, un peu moins de vibreur. Là où Erwan mangeait un peu plus. Ouais. Mangeait un peu plus. Il était plus propre dans sa conduite, mais Erwan, pour l'instant, il gère bien le fait qu'il y ait des vibreurs et donc il arrive à mettre les pneus sur les différents vibreurs pour essayer de garder un petit peu de grip par rapport à sa concurrence. Devant Cartman et Mikmas sont toujours à 2 secondes d'écart de l'un de l'autre. 2 ouais, secondes, c'est pas énorme, ça peut encore changer. On n'est même pas dans la fin du troisième tour et on a déjà des écarts qui sont vraiment impressionnants, notamment pour Anto en tête avec 6 secondes d'avance sur Mikmas. C'est vrai que c'est quand même pas mal, mais derrière, eh bien, c'est plutôt ouvert. Ouais, mais Cartman il a fait une erreur là parce qu'il vient de perdre pratiquement 10 secondes le pilote. Neox qui s'obstine à vouloir essayer de croiser en sortie de Beckett, mais ça n'ira pas dans son sens. Il faudrait vraiment qu'il colle. Alors c'est facile assis ici de donner des conseils de pilote aux autres de pilotage parce qu'on a une vue extérieure qui n'est pas forcément la même que celle du pilote qui joue bien sûr, mais à voir ça, on se dit que si Neox ne se concentre pas sur la sortie de ce virage, il sera peut-être plus proche en tout cas dans l'aspiration pour l'attaque du freinage de Stowe. On est justement depuis le point de vue estimé, hein. Je pense que pas mal de pilotes jouent avec cette vue poursuite puisque ça donne... Oh, la grosse faute. Et là on l'a vu en direct cette faute là où il a mis les pneus sur le vibreur, le châssis sur le vibreur justement, et pas assez de motricité pour accélérer, et tout de suite c'est parti pratiquement en tête à queue. C'est sûr que quand les roues ne touchent plus le sol, c'est beaucoup plus complexe de faire tourner la voiture. Là il a bien fait de tourner malheureusement. Aussi, point particulier sur les circuits dans Forza, c'est ces murs de pneus qui coupent et qui empêchent on va dire les personnes avec un QI inférieur à 10 à couper les circuits en multijoueur. C'est pas forcément qu'ils ont un QI inférieur, c'est qu'ils oublient qu'on est en course. Les mauvais esprits, voilà. Les personnes qui ont parfois un esprit non fair play dans les lobbies ouverts, eh bien obligent, et ça pourrait être effectivement intéressant peut-être de supprimer ce genre de pneus parce que là c'est vrai qu'il a dû quand même faire un petit détour pour revenir sur la piste. C'est un petit peu dommage en tout cas. Neox qui a payé le prix fort cette erreur avec un peu de dégâts je crois sur l'arrière, on le voit hein, sur l'arrière de la Ford GT. Bon, ça va, c'est que visuel, hein, les dégâts, encore heureux, on les a mis qu'en visuel. On va aller voir ce que fait Anto en tête de course, voir comment ça se passe, un tour chez lui. Et justement, on arrive dans l'enchaînement. Mythique. Oula, il freine fort, on met les deux pneus sur le vibreur ici. Oh là, on met les quatre, hein. Voilà. Tant qu'à faire. Eh bien. On voit déjà qu'il n'est pas super à l'aise sur ce tracé. Hein. Ouais, option tondeuse du côté d'Anto là pour ce passage. Il arrive à Sto. On tombe deux rapports. Alors accélère assez tôt pour pouvoir mettre pied dedans ici. Normalement on ressort un tout petit peu plus large ici. Je pense qu'il a eu un peu peur avec le passage dans l'herbe un peu plus tôt. Et du coup pour Sto il a pris un peu de marge. Et on voit que très vite ça revient sur les trajectoires dites idéales en tout cas. Ça y va pour Anto et il ne laisse rien au hasard. Ah, ça se passe bien pour l'instant pour le pilote. De la Forzilla. Eh oui. On est habitué maintenant à dire ça. Il faut, bien sûr. Et ce qui est important aussi, c'est de se dire que les pilotes ne doivent pas se décourager derrière de ce qui se passe. Parce que c'est pas parce qu'ils sont à 1, 2, 3, 5 secondes qu'ils ne sont pas bons. On rappelle que ce qu'il y a à la clé, c'est un contrat amateur tout d'abord dans Forzilla. Donc l'équipe a besoin aussi de pilotes qui les représentent à tout niveau. Donc c'est très important pour eux d'avoir cette entrée, cette porte d'entrée vraiment dans le monde de la structure e-sport qui n'est pas forcément de prime abord leur idée, parce que certains je pense sont venus à la PGW en pensant participer à un concours et ça a peut-être ouvert les yeux en se disant voilà, pourquoi pas. Les pilotes qui ont 13-15 ans se disent ah, peut-être que j'ai un avenir dans le domaine. Je pense que s'ils ne le pensaient pas, on serait pas là. Non, forcément, et puis surtout avoir aussi un peu un coach en tant que qu'Anto, hein, parce que c'est aussi ce type de but, hein. Anto va vous un peu conseiller comment
vous faire progresser, comment va les faire progresser. Donc déjà il y a une bonne base. Après quand on aura le conseil de Anto, moi je me rappelle que quand j'ai commencé j'étais loin, et après bah, j'ai joué avec Ledge, avec Anto, avec tous ces pilotes, et on a commencé à avancer de plus en plus vite. C'est pour ça que la communauté française il y a quelques années était la communauté la plus élevée. Mondialement, il y avait le plus de joueurs, je pense, quasiment en France sur Forza. Ah, bah, le top 20, c'était 12 pilotes français, le reste du monde sur le top 20 à l'époque. Le reste était voilà. Pour les autres. Et ça a bien changé depuis qu'il y a le Forza RC. C'est vrai que oui. Ça a permis à remonter toutes les autres communautés sur notre niveau, mais on avait vraiment un très gros niveau à l'époque. En fait, le niveau est toujours là, mais je pense que les acteurs ont vieilli, ont changé aussi d'activité, ont passé aussi à autre chose. Et donc, place à la nouvelle génération. Donc, ont changé. Anto est toujours là. Hein. Il fait partie de cette ancienne génération. Il avait 32 ans maintenant. Ah oui. Donc, voilà. Exactement. Il y a la famille qui vient aussi. Donc, c'est vrai qu'avoir une mentalité de quelqu'un qui a... J'ai rien dit. Une mentalité d'un joueur de 15 ans et de 30 ans, c'est absolument pas comparable. Donc voilà, lui, il a la bouteille, il a l'expérience, il a le palmarès, il a la gestion de la pression. Et c'est son expérience justement qu'il va pouvoir apporter à ces autres jeunes joueurs. Donc c'est très très bien d'avoir la chance pour eux d'avoir un mentor. Parce que comme tu le disais, toi, tu as roulé avec les meilleurs à leur époque, qu'ils sont encore pour certains aujourd'hui. Certains aujourd'hui, ouais. Mais c'est comme on dit, pour apprendre le tennis, il faut jouer contre un bon joueur pour être bon. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Il vaut mieux s'entraîner avec des pilotes plutôt doués. Deux qui sont doués justement, c'est Erwan et Mikmaz, et Cartman, pardon, oui. Qui continuent à chasser Mikmaz avec des écarts qui se réduisent. On fait tomber les chronos. On a passé la mi-course et Erwan est toujours en train de résister. Bah, il est en train de résister, mais pas contre le même pilote. C'est Cartman qui a descendu. Oui, parce qu'on était focus sur Anto, c'est vrai, mais Cartman qui a chuté. À la quatrième place, c'est Erwan qui est en train de faire une bonne course parce qu'il a réussi à distancer. Je ne sais même plus c'était qui. Je disais le chat, je ne t'ai pas écouté. Cartman. Ah, pardon. qui a distancé Nox. Il a distancé Nox et c'est vrai que maintenant il a doublé Cartman et là il est peut-être en train d'essayer de revenir sur Mikmaz, même s'il se fait talonner fort par Cartman. C'est vrai que Nox là. Ça tente dans le field. Ça touche. Peut-être un peu. Là, c'est moins être côte à côte. Non, c'est passé pour Cartman. C'est de là nous régale depuis tout à l'heure. En tout cas, cette course et cette piste a l'air de mieux leur convenir. On voit beaucoup moins de dérapage, de glissade. Bon, ça fait 6 tours bien sûr qu'on roule, mais il y a vraiment un sentiment de plus de fluidité en tout cas dans les trajectoires des pilotes du milieu de peloton. Bah, c'est un circuit qu'on connaît plus hein, généralement. Oui. C'est un circuit qui est quand même plus ancien. Il faut rappeler que Kota, c'est 2014 hein, qu'il existe. Ah, même plus alors. Voilà, c'est donc, vrai, et Silverstone, même sa réédition, elle date de 2012, je crois. Donc ça fait déjà un petit moment que le circuit est revenu. Donc voilà, on commence à être habitué. Alors que là, on va chercher les cônes maintenant, du côté d'Erwan. Un petit peu vexé peut-être de s'être fait shipper la deuxième place virtuelle, donc la troisième de cette course. Moi, c'est un circuit encore que j'ai beaucoup de mal, hein, même après toutes ces années. Mais je suis habitué à l'ancien, moi j'ai depuis tout petit, comme on dit, oui. J'étais sur l'ancien Silverstone et toute la section de bridge qui n'existe plus, en tout cas qui n'est plus utilisée dans les grandes compétitions aujourd'hui, ça manque effectivement. Même si le nouveau tracé est techniquement très intéressant, un peu de nostalgie quand même. C'est vrai que, mais on peut plus doubler avec les nouvelles voitures sur l'ancien tracé, c'était plus possible, donc fallait changer ce tracé pour le garder dans l'ère actuelle. Ils ont plutôt réussi, notamment avec le complexe. Magnifique complexe des stands, hein, cette wing, cette aile. On le voit là juste à droite, il est magnifique. C'est parfait. Tu fais les transitions tout seul, toi. Tu t'auto-transitionnes. Oui, bah, c'est ça de bosser tout seul depuis 5 ans, qu'est-ce que tu veux. Mais bon, je suis ravi d'être avec toi malgré tout, mon cher Fabien, aux commentaires. Mais voilà, à force d'être tout seul, tu poses la question et tu y réponds. Donc c'est ça. Il se parle tout seul en fait. Aidez-moi. Cartman qui est toujours devant Erwan qui ne parvient pas à revenir pour l'instant. Ça commence à décrocher, attention à ne pas laisser trop de temps parce que, ah bah voilà, encore l'option tondeuse dans cette section. Difficile hein, de vraiment placer la voiture, c'est un peu en aveugle, mine de rien, on ne se rend pas compte. Mais pour relancer dans cette première grande ligne droite du tour, hein, la ligne droite Wellington, c'est compliqué parce que la trajectoire est en deux fois, il y a vraiment deux points de corde. Et c'est parfois pas simple de savoir où on place la voiture, même je pense avec des pilotes qui ont l'habitude comme eux, parfois on arrive sur le fait accompli de se dire je sais où je rentre mais je ne sais pas où je sors, où je vais ressortir du virage. Alors pour le coup on va passer un petit message quand même à nos amis pilotes qui ne sont plus là, hein, Bad Polo et Monkey, restez évidemment proches de votre jeu, on va vous réinviter évidemment pour la finale à Yas Marina. Oh, c'est pas sorti large, là c'est vraiment une visite des stands.
Oui, des anciens. Il est allé faire coucou au commissaire là du coup, il a voulu prendre Bridge pour nous montrer. Voilà, donc on va réinviter évidemment les pilotes qui n'ont pas pu rester ou en tout cas se présenter dans cette deuxième course. C'est normal, ça laisse un peu leur chance à tout le monde. On ne peut pas attendre évidemment ad vitam aeternam dans les lobbies, mais voilà, évidemment on va pas vous faire faire une course et vous abandonner pour la suite. Donc ne vous inquiétez pas, Bad Polo et Monkey, vous serez sur la grille à Yas Marina. Alors, on voit aussi là surtout que bah, pendant que nos pilotes sont ici à Stowe, on voit déjà que bah, que Anto est déjà encore dans l'aréna. Je viens de constater en regardant la map qu'il est à l'autre bout du circuit en voilà. 8 tours. C'est incroyable. Ah bah, c'est ce que je dis tout le temps, il y a toujours un niveau entre savoir très bien conduire et conduire en compétition, en e-sport. C'est un autre monde, c'est plus le même jeu, on n'est plus du tout dans le même jeu et c'est parfait dans tous les e-sports. C'est-à-dire que quel que soit le jeu, bah, on joue bien et puis après il y a un autre niveau qui est juste stratosphérique. Et on a beau mettre là pour pas être vulgaire, mettre la pâtée à tous nos amis. C'est peut-être pas très riche au niveau voilà. vocabulaire, mais au moins on comprend. Ton voilà, attention. Mon attention et après se prendre très cher dans les courses en ligne. Et même si on est très bon en ligne, après il y a encore un autre niveau e-sport. Alors qu'avant on parlait déjà mettre entre ses potes et en ligne, il y avait déjà un niveau. Mais oui, là même en ligne et en e-sport, il y a encore un monde extraordinaire. La montagne à gravir est immense et c'est un peu le niveau justement où on quitte le côté joueur et on rentre vraiment dans le professionnel où, comme sur d'autres jeux, on en est à gérer les moteurs physiques carrément du jeu. Pour avoir vu d'autres pilotes Kanto tout aussi talentueux jouer devant moi au volant et à la manette, ils n'ont pas le même jeu que nous. C'est non. hallucinant la manière dont ils abordent, dont ils peuvent pardon, aborder certaines sections, certaines pistes. Moi je ne lance jamais la voiture comme ça. Si, eux, si. Et ça passe. Et ça passe à chaque fois au même millimètre. C'est très impressionnant. Après, ils connaissent le jeu par cœur. Il y a aussi des petites techniques du jeu, de la physique de Forza qui est particulière. Qu'on va pouvoir faire des déplacements de voiture qu'on va faire par exemple sur Forza, mais qu'on fera pas sur Gran Turismo ou sur un autre jeu. C'est vrai que tout est typique. C'est vrai qu'on a beau connaître. Il l'a dit, pas moi. On a beau connaître. Savoir conduire, on a beau connaître les trajectoires. Il y a aussi un peu la physique qui rentre en jeu et c'est pour ça que quand on veut être très compétitif, on évite d'aller sur plusieurs jeux. C'est comme tout évidemment, il y a des spécialistes de jeux de shoot, de ouais. League of Legends, etc. On va citer voilà, du coup d'autres jeux, mais ça a sa spécificité et c'est d'autant plus vrai dans le sim racing parce que voilà, chaque jeu est différent et chaque physique est vraiment spécifique. Je pense que l'on va attaquer les 5 derniers kilomètres de cette course. Voilà, le timing est parfait avec Cartman qui eh bien, va entamer, je pense, bientôt le 10e tour. Je ne sais pas où est... Anto, mais il doit pas être loin non plus. Il doit être aux alentours de Magot Beckett, là. Il doit être en sortie de. Voilà, voilà. Bah, du coup, il est dans l'ancienne grille de départ. Ouais, qui est toujours utilisée encore aujourd'hui par. Alors, ça, c'est toi qui me l'apprends. Elle est utilisée en quoi en national ? En national, voilà, dans les championnats Britcar et parfois en BTCC, je pense encore. Même si maintenant, il passe plus trop du côté de Silverstone parce que le circuit coûte plus cher. Mais c'est vrai que. C'est des petits championnats qui utilisent encore cette ancienne configuration parce qu'en fait les stands sont malgré tout plus nombreux dans l'ancien, oui. dans l'ancien paddock, donc ça permet de mettre un peu plus de monde. Voilà pour la petite histoire. Ils sont plus nombreux mais plus petits. C'est ça. Voilà, ils sont plus serrés. On n'est pas au niveau de circuits comme le Nürburgring où on met 6 GT3 dans un garage, hein, voilà. Mais c'est quand même impressionnant. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est l'avance et le résultat que l'on va avoir 2 sur 2 pour l'instant du côté d'Anto qui peut-être. C'était presque une obligation. Oui, on l'aurait un peu chambré, je pense. je pense qu'il l'aura entendu pendant un petit moment. Bah alors, Anto, t'as pas gagné, dis donc. Utilisez le hashtag Fordzilla, évidemment, s'il se plante à Yas Marina. On compte sur vous pour lui en mettre, évidemment, un maximum sur Twitter. Voilà, et bien, la ligne d'arrivée se présente à Anto qui va s'imposer victoire, la deuxième de la soirée, normalement, avec... Et non, il reste un tour. Trop marrant, ça m'est jamais arrivé en plus. c'est formidable. Tu l'as jamais fait, celle-là? Si, une fois par semaine. D'accord. On salue l'overlay, salut mon pote, merci beaucoup. Ça c'est bon parce que c'est vrai que ça dépend aussi des jeux. Mais je t'ai laissé le faire parce que, il fait vas-y, genre il finit, tu vois. Et moi je dis bah vas-y, c'est bon, il gagne. Et puis je lève les yeux et c'est le drame. Bah, oui. C'est pas le drame pour Anto, mais c'est un peu le drame pour ma carrière. on t'en veut pas, on est habitué, c'est vrai que c'est toujours un petit moment dans les lives.
Mais c'est souvent sur Forza hein, ouais. Que ça arrive. En tout cas, c'est rarement si peu clair. On serait sur un autre jeu, ça serait déjà fini, puisque ça dépend des affichages. Hein. Ah oui, oh, à l'époque des décomptes en Formule 1, c'était un cauchemar aussi, mon Dieu. Et c'est le dernier tour. Et non, il faut aller jusqu'à zéro. Bref. Et on voit qu'il quand même, il galère en tout hein, sur cette voiture et ce combo. On voit qu'il. On peut vraiment dire qu'il galère. Non mais. Parce que j'aimerais bien galérer comme lui, moi. Non mais on voit qu'il est pas serein. On voit que la voiture, il se bat un peu avec le véhicule. Alors oui, ça roule très fort. Mais c'est pas hyper propre. Je l'ai vu rouler beaucoup plus propre que ça. Ce sera répété et amplifié. En tout cas, il glisse. Tu peux même mettre un disque et commencer à mettre le disque de pied. Un disque. Si vous avez des disquettes chez vous, pour Fabien. Allez, on va reprendre un petit peu évidemment le sérieux pour la fin de ce tour, qui est vraiment le dernier cette fois-ci, je vous le promets. Je ne ferai pas la blague deux fois, mais c'est toujours marrant quand ça arrive avec la dernière course. En tout cas, Monkey a l'air d'être prêt. Je crois qu'il est déjà en train de spammer pour rejoindre tout le monde. Effectivement, c'est vrai que sur deux roues aussi, on utilise l'ancien paddock. On nous le dit sur le chat, effectivement. C'est vrai que pour les courses moto, c'est aussi l'ancien paddock qui est utilisé. La chicane de club, le dernier freinage, qui va accueillir les pilotes. Alors, voilà. Ne nous fais pas une Vettel. C'est bien Anto. C'est fait. Qui va donc, cette fois-ci, c'est la bonne, s'imposer. Drapeau à damier pour lui. Victoire. Et là, 11 tours. Non, je plaisante. C'est bon, cette fois-ci, c'est bel et bien la fin. Anto qui va s'imposer, mais c'est surtout Mikmas qui va continuer, comme on dit, de faire le travail avec cette deuxième place devant Cartman, avec un écart qui n'est pas si énorme que ça à l'issue des 10 tours de course. Ouais, il prend pas si cher que ça par rapport à Anto. Regarde, il arrive sur la ligne d'arrivée. Et je pense qu'il a mis le même écart à justement nos amis Cartman, qui est juste derrière en troisième position. Où là, ça a été beaucoup plus disputé. Avec la suite du peloton. Bref, résultat donc Mikmas qui s'impose et qui prend la tête des opérations avec 20 points devant Cartman, 16 unités. Ensuite, eh bien, c'est serré entre Erwan et Neox. Les deux sont à 10 et 11 points. Ça va donc se jouer entre Mikmas et Cartman sur la dernière course. Évidemment, les autres peuvent encore s'imposer puisqu'on rappelle qu'il y a encore 10 points à distribuer. Donc tout est possible entre ces 4-là. Maintenant, il faut que les autres aient un souci. Ça peut arriver. Alors, normalement, on devrait retrouver Bad Polo et Monkey avec nous. Ça semble être déjà le cas, je pense. Donc ça, c'est une première bonne nouvelle. La deuxième, c'est qu'on va partir sur la dernière course de cette soirée de sélection. Donc on rappelle, le pilote qui a le plus de points à l'issue de ces trois courses sera sous contrat amateur pour la team Forzilla, en tout cas sur Forza Motorsport. Et on espère peut-être voir Cartman revenir, qui n'a pas eu beaucoup de chance lors de la première course au quota. Ça a été un peu plus compliqué pour lui, donc on va voir dans quelques instants comment ça se passe. Petite précision tout de même avec les informations qui nous arrivent, il y avait 5 points pour c'est allé tellement vite. 5 points pour Bad Polo et 2 points pour Monkey. Voilà. Donc Monkey qui a quand même 2 points, acte de présence pour lui. Voilà. Il a un alibi si jamais on lui reproche quelque chose ce soir. Il était bien avec nous pour ses 2 points. La course est configurée, je pense qu'on part sur 10 tours également. La même configuration, sauf qu'on sera, On va mettre un peu moins parce que le circuit est un peu plus long. Il est un peu plus long aussi, oui, pas mal de lignes droites. Mais surtout, plusieurs opportunités de dépassement. On en parlait d'ailleurs en préparant ce live avec Fabien. Un tour de moins. Quasiment 4 opportunités réelles de dépassement, 4 gros freinages. Pas de DRS ici pour ces Ford GTE. Mais n'empêche, l'aspiration va être un point primordial. Comme on le rappelle, tout le monde est logé à la même enseigne du coup. Eh bien, c'est à ceux qui géreront le mieux leur pneumatique que le succès reviendra. Alors, on va partir justement sur Yas Marina, un circuit qui est assez moderne dans son tracé et qui est super beau avec cet hôtel. Hein. On rappelle, c'est un hôtel qui passe au-dessus du circuit. Surplombe la piste. Qui surplombe la piste. C'est absolument exceptionnel. C'est un circuit à 21 virages avec beaucoup d'angles droits. Hein, justement, on voit que ça contourne le port, donc on suit vraiment. Du Herman Tilke. Voilà, du pur jus. Du pur jus. Et donc voilà, ça suit bien tout ça. Et surtout, c'était le premier circuit à faire un finish de nuit. C'est pour ça que c'était le premier circuit à inaugurer l'éclairage comme on l'a actuellement. Et même si Singapour a fait un circuit complètement de nuit, il faisait partie des innovations de ce côté-là. C'est d'ailleurs le seul jusque-là qui est débuté de jour pour se terminer de nuit, en tout cas, je pense. Je crois que Bahreïn l'a fait une année. Bahreïn était full nocturne, je pense. Non, c'est vrai. Il l'a fait une année. C'est vrai. Bahreïn, ils avaient un peu tout essayé pour essayer de sauver le circuit entre les tracés alternatifs aux alentours de 2012. Là, ça a été un petit peu tout. Mais je pense que tout a l'air d'être en ordre. On va pouvoir lancer cette troisième et dernière course de la soirée. Finalement, tout s'est passé quasiment comme prévu, hormis
quelques petits soucis de connexion, oui. Mais ça, évidemment, c'est surtout dépendant de la condition de jeu des joueurs et des pilotes. Bref, la dernière course va débuter. Je pense qu'on va pouvoir, dans quelques instants, s'attaquer à ce circuit. Un point en particulier que tu voudrais évoquer peut-être sur le tracé, un endroit qui te marque peut-être, parce que ça a beau être un billard, c'est quand même assez intéressant. C'est la grande ligne droite hein, qui permet vraiment de faire beaucoup de dépassements. Il va falloir être patient juste ici, avant l'épingle, juste devant l'arène. Et d'accélérer très fort et justement de pouvoir essayer d'aller chercher. Et Anto là qui sort fort. Je pense qu'il va attendre ses petits camarades pour essayer de mettre un petit peu d'animation dans le peloton. Ah. Oh, il y a contact parce que là c'est pas du blocage de pneus, c'est vraiment du contact. Je crois que c'est Bad Polo qui est allé toucher Monkey. Alors, les deux pauvres, s'ils se sortent après 500 mètres, c'est quand même dommage. Eux qui n'ont pas roulé beaucoup ce soir. En tout cas, devant, ça n'a pas laissé beaucoup de chance au cône en bord de piste. Il va vraiment leur laisser 500 mètres. C'est terrible. Ça pour l'ego, ça fait très très mal en tout cas pour nos amis pilotes. Parce qu'il ralentit fort là. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que Mick Maz et Cartman, les deux candidats entre guillemets au contrat à la clé, sont en deux premières positions et ça c'est très bon pour nous. Erwan est troisième et Neox est un peu plus loin, il est cinquième, donc il faudrait qu'il repasse devant Bad Polo pour essayer de garder un petit peu les quatre premiers du championnat aux avant-postes de cette course. Avec deux voitures de front, avec Monkey qui remonte déjà sur Neox. Du coup, Neox passe 6ème, ça va être encore plus compliqué, je pense, pour lui. Ça allume comme jamais les freins, ça tape très très fort dedans dans la première chicane. T'as vu comment il est revenu en un freinage sur le groupe. Et lui n'a pas bloqué. Non, bah non, mais on lui ne bloque jamais. Ne bloque jamais. Il maîtrise parfaitement cette voiture. Et là, on va arriver justement dans cet enchaînement gauche-droite-gauche. Oh, et Cartman qui est tombé au 5ème rang, c'est important pour la suite des hostilités. Hein. Il va tenter de récupérer une place. Ouh, ça touche un peu, ça passe en force. Et ça fait partie de ces endroits où il y a une seule trajectoire et on est à 3 de front. Oh, ouais, il va la tenter, il va passer. Ouh, ça touche encore une fois. Neox qui pousse au chausse-pied, comme on dit. Et c'est finalement Monkey qui va croiser tout le monde à l'intérieur. Très beau. Magnifique ce qui vient de se passer. Très beau mouvement de la part de Monkey. Anto, on a vu, il a temporisé un peu, hein. Il s'est dit ça a l'air d'être... Ouh, ça passe ce freinage à l'extérieur, absolument sensationnel. C'est Anto évidemment qui vient montrer à tout le monde qui c'est le patron dans l'affaire, comme on dit. Et ça permet de mettre un peu de mouvement là derrière avec Neox qui tente ici à l'intérieur sur Monkey. On se rappelle hein, qu'en Formule 1, ça a beaucoup tapé ici comme Cartman. Cartman qui pour l'instant est en train de laisser la victoire à Mick Maz hein, qui est en tête et qui va conclure ce premier tour en tant que leader de cette troisième et dernière épreuve de la soirée. Sa voiture a un bel avantage sur celle d'Erwan qui pourrait d'ailleurs remonter dans le top 3 final avec pour l'instant cette position, mais loin d'avoir donné le verdict de cette course. On va regarder ce qui se passe maintenant dans ce deuxième tour. Bad Polo qui est quand même troisième. Bah ouais. Bonne performance pour lui, beaucoup de regrets encore je pense après les problèmes, mais ça revient très très fort derrière pour Anto. Il gagne des 100 mètres par 100 mètres à chaque virage. Il a pas la même voiture, c'est terrible. Il a pas le même grip cet enfant. Cet enfant. Cet enfant. Je pense que tu t'es sauvé sur la limite là. Non, non, mais c'est impressionnant. Mais il a un an de moins que moi donc je peux le dire. Oui, ça passe. Toi, ça passe. Toi tu peux, moi je dois juste me taire et accepter la réalité. La ligne droite pour la deuxième fois de cette course avec Anto qui, eh bien, tel un moniteur, va dépasser sur le périph' parisien hein, puisqu'il va se décaler. À prendre l'aspi sur le périph', c'est chaud en ce moment. Tu ne peux plus aujourd'hui. Hein. C'est limité à 70, donc tu ne peux plus doubler. C'est plus possible. Ça n'empêche pas certains de le faire. Bref, voilà. Anto qui tente l'extérieur. Enfin, il fout le dérive. Hein, donc. Ouh, la coupe un petit peu, ça a sauté. Derrière, ça se bagarre aussi, mais on reste un peu sur ce que fait Anto parce que il remet un peu les gens à leur qui sont place, lui, ouais. À leur place et surtout il resserre un peu le peloton devant parce que il est un peu l'électron libre hein, sur cette course. Mais ils ont beaucoup d'importance parce que les points pris pour l'instant par Erwan, par Bad Polo et par Anto privent pour l'instant Cartman de grosses unités puisqu'il est 6ème et c'est vraiment pas bon pour son cursus sur la suite de la saison. Ça voilà, va être ça compliqué. C'est fait. Il repasse devant, 3ème. Est-ce qu'il va aller chercher la victoire parce que Mick Maz ça roulait quand même pas trop mal. Ça serait fort s'il va aller chercher Mick Maz quand même. Ouais. Alors s'il va chercher et le sortir sur un malentendu, ça peut être une catastrophe pour Mick Maz. Évidemment, c'est pas le but. Mais ouais, ce serait beau de voir une petite bagarre, voir un petit peu comment les deux peuvent se jauger. Oh, on est sorti large pour Bad Polo. Ça roule bien à Bad Polo. C'est dommage hein, que la course précédente, il ne pouvait pas participer. Ils sont tous de toute façon à un très bon niveau. Hein. Ils ont, on le rappelle, été le plus rapide de leur journée sur la Paris Games Week. Et il y en avait des candidats, plusieurs centaines par jour. Oui. Alors là, la porte est grande ouverte et refermée. Voilà, si vous n'avez jamais vu un échappement de Ford GT, c'est là que ça se passe.
Et là pour l'instant ça, ça se passe bien. Bad Polo qui défend super bien. Regarde, il se décale et ça reste propre. Mais là il va faire les freins. Hop, ça freine. Ouh, ça, ça freine bloque fort. Un petit peu. Il défend bien Bad Polo, il arrive à garder le rythme. Très beau duel entre les deux pilotes. Dans l'attaque ici d'une section très rapide. Anto qui a manqué de perdre la voiture dans le gauche. En tout cas, grosse dérobade. Et Bad Polo qui va passer une nouvelle fois le mode tondeuse. On en aura eu pas mal hein, ce soir, beaucoup à Silverstone. C'est le premier qui arrive à trouver de l'herbe sur une piste également fort asphaltée dans ses dégagements. C'est dommage parce qu'il a perdu le contact avec Anto. Et derrière, par contre, c'est extrêmement serré pour la suite. Que ce soit avec, avec Erwan et les autres. Allez, Neox, Monkey, Cartman. Allez, ils étaient là pour la première course. Ils sont de nouveau là pour la troisième. Ça se bataille encore bien. On parlait de cette grande ligne droite qui apportait une opportunité de dépassement quasiment assurée à la fin de cette section. On a pu le vérifier déjà à plusieurs reprises alors qu'on est quasiment en train. Ça allume fort. Oui, là les freins sont au rouge comme on dit. Hein. C'est même nécessaire. Les pneus. Ah, les pneus aussi. Les pneus, un beau plat là, il a fait un très très beau plat. Je pense que tu t'en veux une fois que t'es dans la voiture après, ça doit vibrer un peu. Les vibrations qui sont d'ailleurs ressenties aussi à la manette, hein, j'y pensais, mais du coup pour lui ça doit donner un certain inconfort dans la précision et le ressenti de sa voiture. Monkey qui allume, Cartman qui freine beaucoup trop tard, le fameux panneau trop tard. Alors, un petit peu trop large, il va revenir en passant par ça a collé. Le gendarme couché. Ouais, qui t'arrête net hein, sur ce circuit, on évite ah, de c'est, le prendre. C'est pire que le mur de pneus je pense de tout à l'heure à Silverstone. C'est une colle, c'est boum. Faut vraiment éviter de le prendre ici sur ce circuit parce qu'il l'arrête complet. Ils sont nombreux et plutôt vicieux même hein, parce que parfois on a tendance à plonger sur les vibreurs pour les enchaînements rapides et ah tiens un gendarme couché et la voiture perd totalement son rythme. Eneox 6ème, hein, encore une perte de rythme pour lui dans cette dernière course. C'est dommage parce qu'il était 3ème du classement, un petit point devant Erwan qui, bien si ça continue. On va revenir à la tête de course parce que là Mick Mas va devoir défendre sur Anto. On va voir justement, c'est ça qu'on voulait voir. Est-ce que Mick Mas va pouvoir défendre? On a vu qu'il avait le rythme. Maintenant, on va voir ce qu'il donne quand on a un chasseur comme Anto derrière soi. Est-ce qu'on garde le sang-froid? Ah, déjà, c'est une petite. C'est mort. Il bon, a répondu à ma question tout de suite. C'était plus catégorique, mais ça a été immédiat, effectivement. Est-ce qu'il va? Non. Non. Voilà. La réponse est claire. Mais Anto, en tout cas, qui peut-être est en train de jauger aussi son peut-être futur équipier. Son poulain. Son poulain, effectivement. Il le prend à l'extérieur. Énorme ce qu'il est en train de faire, le pilote. Ah non, il va lui laisser. Je pense qu'ils vont s'amuser un petit peu parce que Mick Mas a pour l'instant compétition gagnée. Comme on disait, le stylo et le papier l'attendent à la fin de la course, mais encore faut-il aller le signer. Et c'est pas fait. Et je pense que ce sera une belle promotion aussi pour Anto. D'ailleurs, Anto qui va se faire remonter les bretelles peut-être parce que la couleur est pas bonne, je crois, sur la voiture. Non, la voiture, il manque un peu de bleu et un peu d'orange sur la voiture. Ce sera donc moi je me ferai un plaisir de lui rappeler puisque la livrée elle est quand même de moi. Tu donc, connais celui qui a fait la livrée. Voilà, elle est quand même de moi cette livrée, donc je lui rappellerai que s'il te plaît je bosse, c'est pas pour rien. Voilà, donc si tu peux les mettre, les livrées, ça peut être cool. Donc s'il te plaît. Ah, ça serait s'il l'avait mise, on aurait pu avoir des beaux overlays avec une belle livrée pour la miniature. Merci, bah voilà, alors, voilà. On peut compter sur personne, c'est terrible. Il part dernier, il finit premier. Est-ce qu'il se moquerait pas de nous en plus ah, des autres? Ah si, clairement. Mais le connaissant, ça serait typiquement ce qu'il est en train de faire. Il s'amuse. Et le pire, pour petite anecdote, on a quelques minutes. Anto, lorsque j'ai participé moi-même à une compétition il y a de très nombreuses années sur Forza. Longtemps. Oui, merci. En fait, il était parmi les pilotes qui devaient faire équipe avec moi. Et malheureusement, il était entre guillemets premier suppléant. Et il n'a pas pu finalement. Je lui ai dit oui, tu le feras. Et je m'en suis toujours voulu, Anto. Donc, même 4 ans après, 5 ans, je m'en excuse. Voilà. Mais bon, je suis ravi aujourd'hui de pouvoir commenter ses exploits. Parce qu'effectivement, voilà, il avait déjà à l'époque pas mal quand même de prestance. Hein. C'est un gars qui fait peur, je pense, quand même, quand tu vas arriver plus âgé et tout. Oui. C'est quand même, voilà, c'est quelqu'un de très imposant, et en piste, et de par sa personnalité aussi. Donc, voilà, je pense qu'il a ce côté aussi mature, autoritaire qui. Oui. Va servir, je pense, à sans doute à Mick Mas si les choses restent en l'état.
En tout cas, rappelons aussi Anto, il roule aussi en vrai. Il a l'opportunité de pouvoir rouler en vrai. Donc là, il tente en rallye, mais c'est vrai que pendant quelques années, il a roulé sur différents championnats. Oui, il était même membre d'une structure tenue par une certaine marque allemande pendant oui. quelques temps d'ailleurs. Ouais. Et même il a fait partie d'une équipe de pompiers oui. d'une équipe de pompiers. Il s'en est très bien sorti. Lui faisait les chronos derrière, ça suivait un peu moins bien, mais lui faisait placer la voiture sur la grille des départs et après ses potes. Est-ce que je m'aventurerais à dire qu'il mettait le feu en piste? Je te la laisse celle-là. Vous la notez voilà, s'il vous plaît. Vous la notez et vous lui remettrez dans les prochains lives. Clipper évidemment. Clipper cette blague. Clipper en masse. Et voilà, et tuer Jean-Marie Bigard. Alors, le dernier tiers de cette course. Elle est pas assez graveleuse, je suis désolé. On ne peut pas. On ne peut pas. Ça s'en off éventuellement. Et Battle Polo qui tient toujours Monkey, ça c'est une bonne surprise aussi. Alors que là, il a l'air de s'être écarté d'avoir mis le clignotant, ça c'est. C'est surprenant, il a mis un bel écart à la sortie de la chicane. Je pense qu'il a accéléré un peu trop fort, la voiture ouais. a décroché. Et quand il a repris le grip, hop, il s'est fait décaler. Une classique. Bon, qui revient malgré tout, mais pas tant que ça. Ce serait bien pour Bad Polo de faire deuxième. Ça le remonterait dans la hiérarchie. Il peut aller chercher Mick Maz là, hein, parce qu'il est qu'à une seconde. Il reste 4 tours. Il peut aller le chercher. Il avait 5 points, je pense, à ce stade-ci de la compétition, malgré sa déconnexion. C'est dommage parce qu'il aurait pu jouer avec Neox et Erwan. C'est dommage. Alors, leader Anto, 2,14,455 pour lui. Donc, ça déroule, évidemment. Là, les deux pilotes hein, qui le suivent, hein, qui reviennent très fort sur Mick Maz. Ah, Mick Maz, c'est pas fait. Ça peut toujours se jouer à une faute et perdre beaucoup de temps. C'est pas impossible, hein. Malgré tout. Même si, voilà, on est conscient que Cartman, 7e, n'a plus tout à fait son destin entre ses mains. Bah, c'est un peu bouclé pour lui. C'est un circuit compliqué, hein. c'est pas facile d'avoir du rythme dans ces virages à 90 degrés, très cassant. Faut trouver le juste milieu entre freiner tôt et réaccélérer très tôt, mais en même temps il y a des virages qui se suivent les uns après les autres. Donc vraiment c'est un circuit qui fait partie des circuits modernes compliqués à mettre en place. C'est toujours délicat de revenir, hein. Une fois qu'on a perdu du temps, généralement on ne le regagne pas. Et avec Neox devant lui, il a l'air d'être aussi un peu gêné. En tout cas, devant le top 3, eh bien, plutôt fière allure avec, en ne comptant pas Anto bien sûr, Bad Polo, Monkey et Mick Maz. En tout cas, Mick Maz, vous pourrez sans doute avoir plus d'informations sur lui dans les jours et les semaines à venir suite à cette victoire potentielle. En tout cas, on espère que sa connexion ne va pas le lâcher. Michael, qui, on le rappelle, nous vient du Nord, il a 28 ans, donc il va pouvoir, je pense, peut-être bien s'entendre avec Anto, hein, puisque c'est la même génération, donc sans doute les mêmes points communs en expérience de jeu. Donc peut-être que pour lui, même à 28 ans, il n'est surtout pas trop tard de s'engager dans une structure e-sport comme celle de la Team Fortzy. Mais là, il va falloir qu'ils défendent hein, sur les deux pilotes qui le pourchassent. J'ai l'impression qu'ils se sont mis d'accord, les deux, là. Ils se sont dit, comme en karting, on se dit, on y va, on s'attaque plus et on va chercher le mec qui est devant. Ouais, un petit peu une échappée du peloton. Hein. Ils essaient de se passer le relais pour essayer d'aller rechercher l'échappée. C'est pas mal comme... Oh, et là, ça glisse. Ah, on va pousser un petit peu, on va lui redonner un peu d'élan. Et ça ressort très large. Mick Maz aussi. Hein. Et oui, il commence à avoir la pression. Mick Maz qui commence à avoir la pression. Ça fait partie des choses à savoir faire. Hein. Gérer la pression, c'est des prérequis pour les ça pilotes tente, e-sport. Ici, non, regarde, tu vois, oh, il a soulagé pas. Monkey, il a bien fait, je pense. Ça ne s'attaque pas, bah oui, on perd du temps. Hein. Quand on s'attaque, hein, généralement, on perd à peu près une seconde sur un tour quand on commence à essayer de dépasser. Et donc, vaut mieux quelquefois rester derrière un pilote un peu plus lent, mais là, il commence à vraiment bouchonner Bad Polo. Et Mick Maz qui se dit continuez, les gars, moi je m'en vais, ne vous occupez pas de moi, ça m'arrange, ça enlèvera peut-être un peu de pression à. Ah mais il est pas loin là, hein. 62 mètres, on le voit, c'est affiché à l'écran au-dessus de Mick Maz, 62 mètres l'écart entre les voitures. Bad Polo et Mick Maz. Alors que derrière le top 4, il y a plus grand monde, hein. C'est quand même un no man's land total avant de retrouver... Non mais on a raison de rester ici, hein. La les course autres. Est ici. Ouais, c'est là que ça se joue de toute façon, hein. Déjà c'est la tête du peloton de cette course et surtout ben, c'est le résultat de Mick Maz qui va compter le plus par rapport à, on le rappelle, Cartman. 4 points derrière au classement, mais qui n'a plus son mot à dire. En tout cas, c'est très intéressant de voir ce duel-là, et ça donne des regrets, même pour nous, hein, parce que c'est vrai que voilà, Bad Polo aurait pu lui aussi défendre chose. Ses chances. Et Monkey aussi, hein, parce que lui aussi, il était bien parti pour aller chercher Mick Maz à la première course. Mm-hmm.
C'est dommage que cette première course il soit déconnecté. Bon, après il a pas réussi à trouver le rythme à Silverstone. Ouais, ça ne lui convenait pas de toute façon. Je pense que là c'était pas là où il pouvait faire la différence, mais il fallait quand même qu'il marque des points qu'il n'a pas pu marquer malheureusement. Et c'est pas faute de l'avoir attendu, parce que finalement voilà, on est resté quelques minutes le temps de. On a eu droit à un reboot de box, reboot de PC, reboot d'électricité dans la rue, bref il a tout fait. Mais voilà, ça n'a pas suffi malheureusement. Une nouvelle grosse dérive ici pour Monkey. Qui va voilà vite, vous voyez, ça monte vite de 5-10 mètres d'avance à la relance. Au-delà de l'effet élastique évidemment des freinages, ah oui, qu'on connaît bien. On peut en parler peut-être rapidement, hein. On voit souvent les voitures à l'image qui se rapprochent au freinage et qui ensuite se séparent, c'est simplement voilà, l'effet élastique. C'est juste que la distance en temps reste le même, c'est juste que bah, comme on est sur une partie plus lente, bah, ce temps se transforme en distance, elle se rapetissit forcément puisque l'écart reste le même en temps mais pas en distance, forcément puisqu'on va moins vite. Voilà, merci professeur Fabien pour cette explication. Merci Jamy pour cette belle explication. C'est pas sorcier. Envie de dire. Non. Alors, Monkey, Bad Polo, faites vos jeux sur le chat, c'est à vous de voir un petit peu où on en est. Et là, il va falloir qu'il attaque un Monkey. Regarde, il tente ici, il le prend à l'intérieur en dessous de l'hôtel de Yas Marina. Pour l'instant, ils sont côte à côte, ça risque d'être compliqué ici de passer à l'extérieur. Est-ce que ça passe? Oui, ça touche! Et oui, forcément! C'était compliqué ici d'y aller. Mikmas qui là est vraiment soulagé de ce qui va se passer puisqu'il n'y a plus que Bad Polo qui n'est absolument pas un danger pour lui derrière. Puis là il a trop d'écart. Donc Mikmas va s'envoler vers la victoire. Allez, dommage ce petit contact. C'était compliqué hein, d'y aller ici à l'extérieur sur ce tracé. On est sur un virage rapide à deux de front. On est sur des voitures qui n'ont pas non plus un grip, un appui aérodynamique digne d'une Formule 1. Donc c'est vrai que c'est des voitures assez lourdes. Large, lourdes. Qui ont en quelque fois on peut vite être décroché de l'avant, donc d'être légèrement sous virage, et c'est exactement ce qui s'est passé. Il l'a amené avec lui, il l'attache touché à l'arrière. C'est pas de sa faute, c'est un fait de course, mais généralement on essaie de prendre un peu ses distances et de faire un peu attention sur ce genre de virage. Ouais, ça fait partie du jeu malheureusement pour Monkey, et ses derniers espoirs viennent de s'envoler avec ce tête à queue. C'est dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas pu voir ce qui s'est passé pour Cartman, parce que c'est quand même la grosse déception de cette dernière course. Il est pour l'instant 7ème en train de naviguer enfin le peloton, mais il était parmi les meilleurs. Il était quand même il était deuxième au classement de Mikmads, pardon. Pas Micmac, ça c'est belge, ça ne se dit pas. Avec, on voit dans cette ligne droite les pilotes qui sont finalement pas séparés par tant de distance, mais bon, maintenant c'est quasiment trop tard. Mais c'est vrai que Cartman a l'air d'avoir vraiment souffert, parce qu'il y a des morceaux de feu qui manquent à l'avant, à l'arrière. Bref, il a l'air d'avoir été malmené au départ. On revient un peu sur Anto pour voir où est-ce qu'il est par rapport à ce dernier tour. Non, j'ai failli faire comme toi là, tu vois. Ah, t'as fait une Maxou. Je me sens moins seul, mon cher Fabien, c'est très agréable, dis-moi. Voilà, clipper évidemment ce moment, comme ça on sera un partout. Comptez-les. Voilà, un partout, ça c'est fait. Balle au centre. Donc on voit la distance, ils ne sont plus à l'écran. Derrière, ça ne suit plus du tout. Rappelons que quand même au départ, si vous n'étiez pas tout à l'heure avec nous, il leur a laissé 500 mètres. Voilà, il est parti dernier. Derrière, on a Mikmas. Hop, qui sort de l'hôtel. Et pareil, il a pris l'écart avec Bad Polo. Gros écart. Je pense que là, sauf problème technique, c'est fait. Hein. Vraiment, il peut prendre vraiment la mesure de la piste. Pas prendre de risque. Ouais, même un tête à queue, il peut repartir. Ouais. Ça passera de toute façon parce qu'il ne reste plus que Cartman, puisque Neox est trop loin. Il est 6ème, donc il n'a pas d'adversaire direct au niveau des points à marquer. On voit quand même que c'est assez propre hein, ce que fait Mikmas. Voilà, s'il roule à peu près pareil avec un poil plus de rythme, ça peut être très 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 bon pour ce pilote. En tout cas, c'est une très bonne base de travail. Je pense qu'avec avec Anto, il pourra rapidement progresser. Avec Anto et toute la structure Team Forzilla, hein, c'est vrai que ça aide hein, d'avoir une vraie structure derrière, une team qui pousse, qui aide chaque pilote. Et ça peut-être le pousser à plus qui nous aide à nous améliorer au fil du temps. C'est vrai que quand on a de la compétition en interne, hein, même dans une équipe, on a beau être une équipe, on est quand même en compétition les uns avec les autres. Bah son premier adversaire, c'est son équipier, on dit souvent ça. Hein, voilà, donc on a la même structure, même si c'est quand même moins flagrant en virtuel, sport. Parce qu'on a tous la même voiture, quelle que soit l'équipe. C'est vrai qu'en interne, on a envie de montrer aux autres de quoi on est capable.
Et ça peut établir aussi la hiérarchie sur un championnat en se disant oui. Voilà, ce pilote-là a peut-être plus d'expérience, plus de gestion de la pression. En tout cas, au niveau de la pression, il l'a jusque-là bien géré, il n'a pas fait de grosses erreurs. Même face à Anto, en voulant s'amuser, il s'est dit, je pense, bah, voilà, on va rigoler, on va essayer de faire un petit peu le spectacle pendant quelques virages. Mais voilà, il ne s'est pas dit, vas-y, passe. Il n'a pas ouvert la porte en disant, je ne prends pas de risque. Vraiment, il est très confiant et très à l'aise. Et ça fait plaisir à voir parce que c'est vraiment la preuve qu'avec la sélection qu'il y a eu sur la Paris Games Week, avec la soirée qu'on vient de vivre, je pense qu'il est sans doute le meilleur élément possible, oui, clairement. Sans enlever aucun mérite à tous ceux qui étaient en piste avec lui ce soir et qui ont eu diverses déboires, mais sincèrement Mick Maz a été le plus constant et le plus impressionnant. Et évidemment il faut qu'il sorte de la piste Monkey au moment où je dis ça. Heureusement que c'était pas Mick Maz, sinon ça aurait fait un petit peu tâche. Bon, c'est pas très grave, c'est pas non plus toi qui conduis, fort heureusement, sinon j'aurais pas fait un tour, on le sait bien. Voilà, j'aurais peut-être pas dit un tour, mais ça fait très mal ce que tu viens de me dire. Alors qu'on a les résultats de Vincennes, le classement qui va nous arriver très bientôt pour vous donner un petit peu le point global à l'issue de cette dernière boucle et de cette dernière course. Ça touche. En tout cas, fini. Deuxième Mick Maz, justement. Et donc virtuellement la victoire pour Mick Maz, c'est fait, qui va donc remporter cette soirée sélection, en tout cas ce challenge Fordila. Et il a donc remporté, au-delà de notre respect éternel et de la victoire, surtout un contrat qui va lui permettre de faire partie désormais de la team. Merci beaucoup à notre ami Donald qui nous passe discrètement les résultats et le classement de cette soirée. Et c'est donc 30 points pour Mick Maz, ça s'appelle une copie parfaite. Et ouais, il a marqué tout ce qu'il fallait, hein. Il a gagné toutes les courses, il a été régulier, pas d'erreur, c'est ça le plus important, c'est ce qu'on cherche aussi hein, chez la team, des pilotes qui font pas d'erreur. On a vu qu'il a eu un tout petit peu de pression, mais bon, forcément quand on commence à avoir un peu d'avance comme ça, on commence à relâcher un peu la pression, donc on commence à être moins concentré. Mais ça a quand même tenu jusqu'au bout, pas d'erreur, très propre. Je pense qu'Anto va lui apprendre très rapidement comment gagner du temps rapidement, parce qu'il y a aussi des techniques à apprendre forcément avec Forza, et donc ça peut être très bon pilote dans le futur. En tout cas, pour la suite du classement, on retrouve en deuxième place Cartman, finalement, qui aura sauvé sa soirée avec ses courses précédentes. Et ensuite, une égalité pour la troisième place. Deux pilotes à 15 points. On retrouve Erwan et Neox. Bad Polo sera donc officiellement quatrième. Et le top 5 complété par Monkey avec 8 points en dépit de sa déconnexion. Dommage aussi pour lui. Il aurait peut-être pu espérer peut-être un top 3. Chers amis, pour cette soirée et cette sélection. On est déçus des déconnexions et que voilà, ça n'aurait pas changé grand-chose. Malgré le carton plein de Mick Maz, les choses étaient attribuées à ce pilote ce soir. Merci à Donald, tout d'abord, pour son intervention en début de soirée. Merci à toi, Fabien, pour ton expertise et tes mots qui nous ont été précieux ce soir. J'espère bien, j'espère que ça vous a plu à vous aussi. Merci à la Team Fordila pour cette organisation et cette aide pour tous les pilotes qui sont en virtuel. Merci à toi, Maxou. C'était un plaisir d'être avec vous ce soir pour vous faire vivre cette soirée Challenge Team Fordila. Bravo à Mick Maz, on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Restez connectés évidemment sur le Twitter, vous avez un magnifique hashtag qui doit normalement s'afficher là. Là. Voilà, on compte sur la régie, voilà, c'est en bas. Si vous voyez cette VOD peut-être sur Twitch ou YouTube, vous aurez toutes les informations utiles dans la description. On vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à la prochaine. À la prochaine. Bonne soirée, salut. Ciao.